Du studio 210, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Débutons studio 210 avec la médecine traditionnelle. Nous recevons sur ce plateau le phytothérapeute Auguste Balandamio qui va nous éclairer la lanterne sur la problématique du cycle menstruel. Alors, commençant à la puberté, se terminant à la ménopause, survenant souvent de façon périodique, le cycle menstruel prépare l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Monsieur Balandamio, bonjour. Bonjour, madame Isis. Alors, il existe trois types de cycles menstruels. Le cycle court de 21 jours, le cycle moyen de 28 et le cycle long de 31 jours. Dites-nous alors comment calculer son cycle menstruel par rapport à ces types de cycles menstruels. Merci, madame. Vous savez, pour mieux calculer le cycle de menstruel, il faut avoir la maîtrise du diagramme de cycle menstruel. Le cycle menstruel est subdivisé en quatre parties. Il y a les règles, il y a la période pré-ovulatoire, il y a la période ovulatoire et il y a la période post-ovulatoire. Toutes ces parties-là, quelle que soit votre durée, quel que soit le cycle que vous allez, que vous êtes responsable, il faut maîtriser ce diagramme-là. Si vous le maîtrisez, vous avez la facilité de vous retrouver. Je prends un exemple au moins celui qui est plus fréquent, de 28 jours. Quand on prend la période de 28 jours, il y a donc, vous avez 4 jours de menstrues. Après les 4 jours de menstrues, vous avez 4 jours de vide où vous pouvez s'amuser. Il y a au moins 12 jours qu'on appelle des jours risque de grossesse. Et dans cette période de risque de grossesse, vous avez également l'ovulation qui est là le 14e jour. Et après, vous rentrez dans votre post-ovulatoire. Donc, une femme, quel que soit son état, doit maîtriser ce diagramme du cycle menstruel pour son bien-être. Lorsque vous ne le maîtrisez pas, vous ne savez pas l'écart qui existe, vous aurez toujours des problèmes à vous en sortir. C'est dans ce cadre-là, nous avons des grossesses non désiré. Mais est-ce que l'ovulation intervient seulement le 14e jour? Dans les normes, c'est le 14e jour. Le 14e jour est réservé à l'ovulation. Mais il y a une période qu'on appelle risque de grossesse. Cette période démarre à partir du 8-9e jour. Après votre 9e jour de menstrues, vous devez faire très attention. Dès que vous rentrez au 9e jour, en attendant que vous arrivez au 14e jour jusqu'au 16e, 20e, ce sont ce que nous appelons les risques de grossesse. Ce sont les grossesses qui peuvent arriver à partir du 10e jour ou du 9e jour. Et lorsque vous êtes enceinte, vous allez voir M. Balandamé. Je vais dire non, écoutez, vous n'étiez pas en période d'ovulation. Cette grossesse-là, ça ne me revient pas. Mais après des examens, vous allez constater que c'est réellement votre grossesse. Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention ce matin. C'est vrai, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas également sage-femme, mais je suis un phytothérapeute. Un phytothérapeute, c'est comme un médecin généraliste qui détient le savoir sur le corps de l'homme, sur le corps de la femme, que ce soit le corps de l'homme. Parce qu'on ne peut pas traiter un corps si vous ne le maîtrisez pas. Donc, voilà pourquoi je voudrais vous dire qu'il y a
Le 14e jour est réservé. Il y a des variations qui se font pendant que la personne peut passer dans une période de tresse. Vous savez, la femme, lorsqu'elle est tressée, elle peut avoir un état qui va lui permettre de perturber son système d'ovulation. Voilà pourquoi je reviens qu'à partir du 9e jour, faites déjà attention, vous risquez de tomber enceinte du 9e jour au 18e jour. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure le stress comme l'un des facteurs des perturbations du cycle menstruel. En dehors du stress, quels sont d'autres facteurs que vous pouvez évoquer? Mais quand nous avons pris la tresse, nous pouvons également prendre le problème de la tension. Vous savez? La tension artérienne. La tension artérienne. Oui. Parce que lorsque la tension est là, vous avez un problème au niveau, c'est le système nerveux. Parce que tout est géré par le système nerveux. Et lorsque vous avez la tension vous perturbe, vous pouvez également avoir des perturbations au niveau de votre cycle menstruel. Mais le secret, c'est de savoir qu'à partir du 9e jour, je dois faire très attention. Vous avez dit du 9e jour au 16e jour. Du 9e jour au 18e jour. Parce qu'on appelle ça le risque de grossesse. Donc, si vous voulez de ne pas avoir tombé enceinte, dès que vous arrivez au 9e jour, vous devez vous protéger ou ne pas faire des rapports sexuels. Et Madame Isis. D'accord. Donc, ces trois types de cycles ont les mêmes facteurs. L'essentiel, c'est de savoir respecter les normes du diagramme. Et si vous savez respecter vos normes du diagramme, vous allez vivre heureux ou heureuse pendant des années sans pouvoir perturber dans le cadre de votre gestion familiale. D'accord, mais entre la pilule du lendemain, bien calculer son cycle menstruel et utiliser le préservatif, quelle est la méthode la plus fiable pour éviter des grossesses non désirées? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nos parents, hier, ils prenaient 2 ans d'écart. Quand vous allez faire attention de nous, nous avons eu 2 ans d'écart. Est-ce que nos parents utilisaient les pilules? Est-ce que nos parents allaient dans les plannings familiales? Vous savez, nos parents avaient un système. C'est comme le système quand vous faites votre ristourne. C'est quoi ce système? J'anticipe déjà. Voilà. Il met des nœuds. Ils sont en train de faire des nœuds. Je prends un cycle de 28 jours. Un cycle court. Donc, à partir du premier, il a 28 nœuds. Et à chaque fois, elle est entrée dans l'évée 1, 1, 1, 1. Quand elle arrive au 9e jour, elle dit à son mari, j'ai tant de mois, tant de jours, on ne va pas faire des rapports. C'est un problème entre monsieur et dame. Et voilà pourquoi nos parents ont eu, il n'y avait pas un problème de pilule, il n'y avait pas un problème de planning familial, mais ils ont eu cet écart-là. Donc aujourd'hui également, si nos parents, nous jeunes, si nous pouvons également réfléchir, nous allons y arriver. Maintenant, en ce qui concerne les pilules, vous savez, vous avez eu une copine ici. Je ne sais pas si vous pouvez le maîtriser. Elle portait déjà un plan, mais elle est tombée enceinte, elle a accouché. Ce n'est pas une garantie. Mais le véritable garantie, c'est respecter votre diagramme. Si vous respectez votre diagramme, vous pouvez mettre des pilules. À un moment donné, vous avez pensé que par rapport à tout ce qui est arrivé, à votre gestion de stress, à votre gestion de la tension, et ça rate, vous allez tomber enceinte. Donc, quand vous êtes en train de prendre vos pilules, quand vous êtes en train de passer par le planning familial, respectez la première des choses, le respect de votre diagramme de cycle menstruel. D'accord. Un dernier conseil, puisque nous sommes à la fin, on retient qu'on doit respecter le diagramme. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir d'autre, puisque nous sommes à la fin? Vous savez ce que je vous ai toujours dit, que je ne suis pas seulement pour traiter, mais je suis conseil. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de conception ou un problème de menstruation, quand vous avez des situations que vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous pouvez vous approcher auprès du centre Baveri, qui est à l'arrêt pharmacie de Mukondo.
sur le goudron à la pharmacie de Mokondo. Vous pouvez m'appeler au 05 526 15 07 05 526 15 07 pour ceux qui utilisent le WhatsApp. Maintenant, le MTN, c'est le 06 695 35 20 06 685 35 20. Pour ceux de Pointe-Noire, je suis à Siafoum, à l'arrêt Siafoumou. Vous m'appelez au 06 913 01 55 06 913 01 55. Je vous remercie. Merci beaucoup, Auguste Balandamio, pour toutes ces informations. Studio 210 continue avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Bienvenue bonjour. À vous dans Studio 210. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec le thème du dimanche passé, l'homme et sa responsabilité. Pasteur, dimanche dernier, en parlant de l'homme et sa responsabilité, vous disiez que malgré la liberté qu'a l'homme de faire ses choix, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors, qu'est-ce qui conditionne le choix? Est-ce que c'est l'éducation ou c'est la parole de Dieu? Vous savez, merci. Qu'est-ce qui conditionne le choix? Il y a quelqu'un qui nous a créés. C'est le plus grand esprit, c'est Dieu. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc, en vous envoyant sur cette terre des humains, Dieu a tout planifié. Alors, j'aimerais encore vous dire ceci. Le monde que nous vivons, c'est un monde de combat, tant spirituellement que physiquement. Donc, il y a un combat. Nous luttons contre la mort et il y a toute une lutte contre la vie également. Alors, la Bible nous parle de la tentation de Jésus. C'est le diable qui s'emmène, qui se présente devant le Seigneur. Il va lui dire, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai le monde et sa gloire. Donc, vous comprenez, avec une telle proposition, donc Jésus avait un choix. Donc, c'est pourtant dire que lorsque le choix est raté, c'est toute votre vie qui est foutue. Donc, il faut faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, ce n'est qu'avec Dieu. Et pourquoi Jésus a résisté? Il sortait de pratiquement de 40 jours de jeûne et prière. Donc vous comprenez que au dedans de lui, son intérieur, son être était fort. Et Jésus a pu résister et a fait le bon choix en refusant d'accepter la proposition du diable. Sinon, son navire allait couler comme celui du premier Adam. Donc, il a dit non, je ne pourrai jamais te prosterner, je ne pourrai jamais t'adorer. Et il a refusé la proposition du diable, le monde et sa gloire. Mais combien de gens aujourd'hui prosternent, se font prosterner, adorent le diable, par exemple, avec l'argent, à travers la cupidité, l'amour de l'argent. Et beaucoup ont vendu leur âme parce que on n'a pas voulu faire le bon choix. Donc, le bon choix, pour répondre à votre question, pour faire la synthèse, ce n'est qu'avec Dieu. Et excusez-moi, madame, Jésus, la Bible nous dit, après avoir sorti du baptême, et la Bible dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit et pour être tenté par le diable. Donc, s'il s'est laissé faire, parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Donc, or, pour être conduit par le Saint-Esprit, c'est votre choix également. Oui. D'autres disent non. Alors, lorsque l'Esprit qui vous a créé vous demande de prendre la gauche, vous dites que je prends la droite, mais sachez-le que vous serez responsable de votre échec. Et beaucoup se lamentent parce que Dieu m'a abandonné.
Dieu ne m'écoute pas, mais on ignore qu'on peut vivre ce qu'on avait semé. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, pasteur Aluna. Comment on peut faire pour rétablir sa relation avec Dieu une fois qu'on a échoué dans son choix? Ok. Comment faire pour rétablir la confiance, revenir à Dieu? J'aime beaucoup aborder cette question dans ce sens. Vous savez, on peut vivre une épreuve à ne pas confondre que je suis en train, Dieu m'a rejeté. Donc, on parle de l'épreuve. Comment reconnaître que ce que je suis en train de vivre, c'est une épreuve ou bien ce sont mes péchés? Alors, vous le saurez si c'est une épreuve, si votre conscience est pure, votre conscience ne vous reproche de rien. Alors, sachez-le que ce que vous êtes en train de vivre, ça, c'est une école que Dieu vous a fait entrer pour vous former, pour vous passer d'un niveau à un autre niveau. Maintenant, si vous vous reprochez que ce que vous vivez, vous avez ouvert les portes et que c'est suite à votre marche, la conscience est une torche que Dieu a placée au-dedans de nous pour nous éclairer, pour nous donner les signaux en ce net moment. Repentez-vous, revenez vers Dieu. Et lui qui est un Dieu compassion, Dieu va vous pardonner. Et votre marche, vous allez reprendre avec Dieu. Mais à condition, lorsque vous reprenez votre marche avec Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutez les orientations. Parce que la fois dernière, on a eu abordé cela. Si Jonas s'est retrouvé dans cette tempête, dans ce navire, il a fallu que ce navire, si il n'était pas véridique, c'est le navire qui devait couler. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Au moment que Dieu l'attend à Ninive, Jonas prend le chemin de Tarsis. Donc, madame la journaliste, il y a un endroit que Dieu vous attend. Mais comme madame la journaliste, elle a ses préférences. Bon, et nos préférences, c'est ce qui nous tue. Nos préférences, c'est ce qui nous désoriente. Dieu a ses préférences, nous avons nos préférences. Dieu a son calendrier, nous avons notre calendrier. Et Dieu a sa volonté, nous avons notre volonté. Oh, la meilleure volonté, c'est la volonté de Dieu. Même si elle est amère. Oui, la volonté de Dieu, elle est amère, vous l'évoquez. Comment reconnaître réellement que ce que je fais ne vient pas de Dieu, ce que je fais, Dieu ne l'apprécie pas? Ok, une très belle question. Comment reconnaître que ce que je fais... Parce que Dieu est esprit, quand il nous parle en esprit, c'est okay, bien cela. Ok, ok. Alors, pour reconnaître que ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien Dieu m'accompagne, nous avons d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Il y a des choses que la parole de Dieu interdit. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple. Je suis le pasteur Ange Aluna et je suis marié officiellement. Et que toi et moi, on a eu une relation amoureuse. Est-ce que tu as besoin de demander Dieu? La Bible est claire. Vous êtes mariés. Il y a une barre, il y a une ligne rouge qui me sépare entre toi et moi. Mais lorsque j'enfonce sur madame la journaliste, je sais qu'elle est mariée. La parole est claire. On n'a pas le temps d'aller gêner et on n'a pas le temps d'aller consulter un prophète. Ça, c'est le premier élément qui est la parole de Dieu. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit avec vous, tout acte que vous allez commettre, vous serez mal à l'aise. Tout acte que vous allez commettre, l'Esprit de Dieu va vous dire que ça... Il a plusieurs manifestations. Donc voilà, pour reconnaître que je ne suis pas dans la droiture, ce que je fais, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. S'il arrivait qu'un pasteur échoue dans son ministère, est-ce qu'à ce moment-là, pourrait-on parler du mauvais choix de ce dernier? Bon, peut-être si m'a été donné l'occasion de reformuler votre question, est-ce qu'un pasteur peut échouer dans son choix? Ok.
Bon, j'aimerais vous énumérer quelque chose. La vision de Dieu n'échoue jamais. Parce que la vision de Dieu, c'est Dieu en live. C'est la pensée de Dieu. Elle n'échoue jamais. Maintenant, lorsque un pasteur peut échouer, exactement. C'est un être humain. Hein, c'est un être humain. Oui, mais c'est un être humain. Notre force, c'est le Saint-Esprit, madame. Il faut être l'esclave du Saint-Esprit. Donc, si un pasteur peut échouer, donc en lui, sachez-le que ça peut être ses préférences. Ça peut être ses choix. Un mauvais choix. Parce que lorsque Dieu dit, prends la gauche, peu importe ce que je rencontre, peu importe ce que je vis, je ne peux que prendre la gauche. Et je suis pasteur, quand Dieu me dit que tu dois faire rentrer le peuple de Dieu dans un jeûne de 30 jours. Donc, j'ai écouté Dieu. Mais celui que Dieu n'a pas demandé le jeûne de 30 jours, il voit par exemple que le pasteur Aluna a organisé un jeûne de 30 jours, lui également, il va dans son assemblée pour dire que j'ordonne un jeûne de 30 jours. Donc, il y a ce qu'on appelle les imitations. Et ce sont les choses qui nous exposent, malgré que nous sommes au temps de la grâce. Donc, un pasteur qui vraiment est aligné, qui marche avec le Saint-Esprit, alors je ne vois pas que la vision puisse échouer ou bien qu'il puisse connaître l'échec. Mais s'il peut avoir des turbulences, oui, ça, ce que nous accomplissons, le travail que nous faisons, c'est un travail, un grand travail de combat. Mais il peut avoir des turbulences, il peut avoir des montagnes, mais sachez-le qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs et il va nous accompagner. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Vous, pasteur, qu'est-ce qu'on retient puisque nous sommes à la fin de notre... Alors, nous sommes à la fin. Je me redis parce que peut-être on a abordé la question pour les chrétiens. Et là, nous avons abordé, parlé du Saint-Esprit. Mais toi qui ne vas pas à l'église, toi qui n'es pas un chrétien, toi qui es un non-croyant, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Jean 14, verset 6. Et la Bible dit que Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Donc, si tu veux avoir, c'est-à-dire emprunter le bon chemin, si tu veux vivre, parce que la Bible dit, Dieu nous demande de choisir la vie afin que nous vivons, nous et notre postérité. Donc, c'est avec Jésus que nous avons la vie, c'est avec Jésus-Christ que nous allons emprunter un chemin où ce chemin va nous emmener vers la victoire. C'est avec Jésus que nous avons la vérité. Le diable, c'est un menteur. Le diable ne donne, c'est un menteur et le chemin qu'il va, vous allez le suivre, n'aboutira à rien. Donc, bien-aimés, c'est avec Christ que vous avez la vraie vie. Alors, d'où Jean 10, 10 nous parle que Jésus dit, il parle que Jésus-Christ en lui, c'est lui le bon berger qui est venu donner la vie. Et d'où à cette occasion, si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, tu dois recevoir Christ afin d'avoir une vraie vie et afin de ne pas faire le mauvais choix. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis au 00. 242 663 71 52 00 242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna d'être passé. Merci beaucoup. Peuple du studio 210, pour tous ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez arriver à la télévision nationale congolaise pour poser des questions en direct à Branham Bonheur qui fera des révélations aujourd'hui à partir de 9h30 sur Studio 210. Thank you.
Peuple du studio 210, comme promis dimanche dernier avec l'apôtre Richard Phila Saint-Eudes, nous revenons ce matin sur le thème l'initiation à la christianité. Bonjour et bienvenue dans Entretien avec. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour, c'est vous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Est-ce qu'un pasteur, un apôtre peut connaître les perturbations pendant son ministère? Oui, bien sûr. D'accord, alors le dimanche dernier, vous disiez que l'initiation à la christianité se fonde sur le salut et non par les œuvres qu'offre l'homme. Alors comment peut-on faire pour vivre la vraie christianité en cette période de crise de foi où la dépravation se fait de plus en plus ressentir? Oui, d'accord. C'est clair, comme dit Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 21, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il faut redéfinir sa vie par la volonté de Dieu, par l'obéissance à la volonté de Dieu, comme Paul disait, lui plaire en toutes choses et partout, en tout temps. Et peu importe ce qui peut arriver, quelqu'un qui se veut chrétien, qui l'est réellement au sens biblique, vit pour plaire à Dieu, vit pour plaire à Christ. Donc, si aujourd'hui je donne ma vie à Christ, comme je lisais tout à l'heure, Paul disait qu'il n'a pas honte de Christ. Et c'est plus loin qu'il dit, Christ est ma vie. Lorsque on se focalise non seulement sur les principes christiques ou les principes énoncés par Christ, au-delà des principes, lorsque on obéit à sa parole, on croit en sa personne, ça veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et il le sera encore pour l'éternité. Et lorsque on vit une relation personnelle avec Christ, c'est là le sens même de la christianité que nous avons définie comme une relation personnelle avec Christ, une alliance personnelle avec Christ, une identité spirituelle et par conséquent morale selon l'esprit de Christ, donc la vie de Christ en nous. Lorsqu'on arrive à ce niveau, je disais dernièrement qu'on ne devrait pas passer à ce niveau-là du christianisme juste dogmatique, traditionnel, conventionnel, à la christianité, donc une relation vivante. Et en ce moment-là, on peut résister à toutes sortes d'épreuves, de tentations, de combats, parce que Christ ne devient pas juste un personnage lointain, mais devient notre vie. Christ est ma vie, c'est tout le sens de la christianité. Quand nous traitons de ces sujets, nous nous adressons principalement aux enfants de Dieu, à ceux qui se veulent chrétiens et qui le sont réellement, parce que justement il y a beaucoup de confusion et on a adopté une foi chrétienne universaliste. Ça veut dire, l'universalisme, c'est une doctrine de foi chrétienne erronée qui laisse croire à qui le veut, qu'il est chrétien de naissance et que nous sommes tous des enfants de Dieu et il suffit de prier et que nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est une illusion. Alors, la vérité de la christianité, qui défie un peu le christianisme, c'est pour désillusionner certains et les éclairer pour que vous sachiez que vous risquez d'être dans l'illusion
chrétienne dans une fausse croyance et vous risquez de vous retrouver comme ça en enfer alors que vous êtes allé à l'église tout le temps. Le vrai christianisme, c'est ce que j'entends par christianité, est une question de changement de cœur, de vie. C'est un choix que l'on fait. Autant nous respectons la liberté des uns et des autres quant à leur croyance, leur foi, mais nous avons l'honneur et l'obligation d'annoncer et de rappeler, d'établir que en matière de spiritualité biblique ou de véritable spiritualité, il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu, le Père de tous. Et ce chemin, ce n'est que Jésus-Christ. Et la meilleure façon d'appartenir à Jésus, c'est naître de nouveau. Le chemin, ce n'est que Jésus-Christ. Et libéré de son ancienne vie. Parler de l'illusion chrétienne qui emmène forcément à la fausse croyance. Et vous aviez également évoqué qu'il existe l'identité spirituelle. Est-ce que c'est une façon d'appartenir à une religion quelconque? Non, ça ne suffit pas. Les gens sont libres de choisir leur religion. Déjà en matière de religion, vous allez constater que les différentes religions ou fois auxquelles nous avons adhéré n'ont pas été l'objet d'une décision, d'une volonté ou d'un choix délibéré, mais nous avons généralement hérité de notre religion, deux fois selon l'accident géographique de lieu de naissance, vous êtes né dans tel pays musulman. Vous êtes obligé vous héritez sans avoir eu le temps de faire un choix. Oui. Vous héritez juste. Surtout, d'analyser. Et même ceux qui sont catholiques, protestants, nous tous, nous étions là-dedans parce que nos parents l'auront été. Et nous n'avons pas fait un choix, nous avons hérité d'une religion sans avoir eu le temps de lire la Bible. Et moi, je me suis retrouvé entre deux religions chrétiennes sans que j'aie aujourd'hui l'assurance du salut et de ma pleine identité en Christ, jouir d'une pleine autorité que j'ai aujourd'hui. Je suis né comme ça, dans une religion chrétienne comme dans une autre, mais sans que mon cœur soit transformé. Je partais à l'église avec tous mes sacrements, mes pèlerinages et tout. Est-ce que vous voulez parler là d'église catholique, apparemment? Je cite tout. j'étais même, si vous voulez mieux, j'étais même protestant. Mais je n'ai en rien protesté contre... Parce que celui qui a créé le protestantisme avait protesté. Quand il a lu la Bible, il s'est rendu compte qu'il y avait des points tellement divergents. Je parle de Martin Luther. Il a vu, il a lu, il a trouvé 95 points qui n'étaient pas conformes à l'enseignement, à la vie de Christ et des apôtres. Il les a affichés, ça lui a coûté des menaces de mort. C'est comme ça qu'il est sorti de l'Église catholique parce qu'il a voulu revenir aux Saintes Écritures. Donc, la vraie christianité. Oui, à la christianité, à la vie de Christ et non seulement aux paroles sélectionnées de Christ. Donc nous plaidons ici pour la vérité biblique qui n'est fondée exclusivement que sur la parole de Christ, ses enseignements, sa vie qu'il a transmise aux apôtres. Ils ont vécu la vie de Christ. C'est pourquoi on peut dire avec Paul aujourd'hui, Christ est ma vie. C'est ça la vraie christianité. Christ est ma vie. C'est ça la vraie christianité, apôtre. Alors, une fois... Une œuvre sans foi est vaine. À ce moment-là, que représente la charité pour la christianité? Oui, là encore, souffrez que je cite 1 Corinthiens 13, qui peut nous désillusionner tout de suite, dans ce verset qui décrit bien l'amour, là-dedans, on trouve même qu'on peut faire des bonnes œuvres. Donc, si je donne aux pauvres et je n'ai pas de charité, je suis rien. Alors, quel est l'amour en ce moment? Ça montre que les bonnes œuvres, comme dans Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9, 10, ce ne sont pas à cause par les bonnes œuvres, nos œuvres et les œuvres de la loi ancienne, les œuvres dans l'observance
observer la loi de Moïse, les œuvres de l'ancienne alliance, et par extension, les œuvres bonnes. Ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais au moyen de la croix. Les œuvres ne justifient pas. On n'est pas sauvé par les œuvres. Les vraies œuvres ne nous sauvent pas. On ne fait pas les œuvres de charité pour être sauvé et justifié, mais parce que nous sommes sauvés, parce que Christ nous a justifiés gratuitement par sa mort sur la croix. Aucune bonne œuvre ne peut vous racheter de vos péchés. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans la sorcellerie, dans l'occultisme, vous êtes dans la méchanceté, dans l'adultère, et vous allez faire les aumônes. Ça, ça ne va pas vous sauver. Et après votre mort, vous espérez qu'une certaine messe où l'on va vous asperger de l'eau et vous dire que ton âme repose en paix. Je suis désolé, votre âme ne reposera jamais en paix après une messe ou la prière d'un pasteur. Vous reposerez en paix pour avoir obéi à la parole de Dieu, pour avoir vie selon Christ. Vous avez fait de Jésus votre vie, vous reposerez en paix après la mort. Vos œuvres et l'argent que vous paierez pour une messe ou pour la prière d'un pasteur, tenez-vous bien, ne pourront jamais vous racheter parce que ça se paye ici-bas. D'accord, apôtre. Nos salutations à Aubin Menga qui nous suit depuis Talangaï à Brazzaville, à John Mambouli depuis Wendier, à Romaric Arsenal le Bouclier, depuis Pointe-Noire, Zedongwala depuis Ouesso. Apôtre, nous tendons presque à la fin de notre entretien. Malheureusement. Aujourd'hui, on constate les affiches sur lesquelles figurent les portraits des pasteurs pour les campagnes d'évangélisation. Apôtre, pour ceci, sommes-nous toujours dans la vraie christianité ou dans le culte de personnalité? J'avoue que je n'ai pas compté avec cette question. Toutefois, il faut contextualiser l'évangélisation et la communication chrétienne ou évangélique aujourd'hui. Nous sommes dans une société autant de consommation que de communication. Et moi, j'apprécie, j'aime la communication. Nous sommes dans un contexte socioculturel où, pour bien consommer, pour bien faire passer le message, il faut compter avec la communication, la visibilité. Voilà, c'est dans le jargon d'aujourd'hui. Si Jésus était à notre époque, je suis persuadé qu'il aurait utilisé tous les moyens de communication possible, parce qu'il a dit à ses disciples, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Comme vous, je vous ai trouvé, je paraphrase, pêcheurs de poissons, donc vous cherchez les poissons, vous avez les techniques pour gagner, pour attirer les poissons, je ferai la même chose. Vous n'attirerez pas les poissons, vous ne gagnerez pas les poissons, mais vous serez de gagneurs d'hommes, des gagneurs d'âmes. Donc vous employerez des techniques pour gagner les âmes dans tous les âges, dans toutes les civilisations. Jésus est le même. Jusqu'à aujourd'hui, il nous dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Donc, vous allez gagner les poissons qui sont les hommes. Et aujourd'hui, les poissons sont catégorisés, donc les âmes que nous devons évangéliser de plusieurs manières. Dans la société d'aujourd'hui, pour bien faire passer le message, il faut étudier la psychologie des masses, la communication des masses. Il y a une psychologie des gens. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Il faut mettre l'appât à la maison pour attirer les poissons, donc les hommes. Donc c'est pour des raisons psychologiques que nous sommes dans l'obligation de nous adapter culturellement à la psychologie des personnes que nous voulons attirer. Les motivations peuvent être douteuses, mais aujourd'hui, moi, je prends chaque année plusieurs panneaux publicitaires pour notre convention annuelle au Palais des Congrès. Et à ce niveau de communication, je ne peux pas rester dans mon église et puis amener les gens à venir bénéficier des grâces des sommités internationales que nous invitons chaque année. Il faut communiquer sur les panneaux et on est en droit de signaler qui organise, parce qu'il y a tellement de confusion. Il y a des personnes qui nous voient passer à la télé, qui nous font confiance,
Mais lorsqu'ils nous voient sur panneau, ils savent, ah, ça c'est l'apôtre Phila, ça c'est le pasteur Intel, ok? Nous savons que ce sont des bons serviteurs de Dieu, nous pouvons aller. C'est simplement pour ces raisons-là, mais maintenant ça n'exclut pas que certaines personnes peuvent prendre les affiches pour se faire montre et tout. On ne pourra pas éviter cela. Ce n'est pas parce que les gens le font avec des motivations douteuses qu'on ne doit pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'on ne va pas user d'argent. Merci, donc, apôtre. Nous sommes dans un contexte culturel. Rappelez vos contacts pour toutes les personnes qui aimeraient vraiment être en contact avec vous. Et la dernière question, vous n'allez pas peut-être répondre, en coulisses certainement. Une œuvre, la foi sans œuvre est une foi morte. Alors pourquoi reléguez-vous les œuvres au second plan? D'accord. Passez votre contact, s'il vous plaît. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. L'illusion chrétienne tire vers les fausses croyances. Seule la vraie foi, le vrai culte sauve. C'est sur ce que nous mettons fin à cet entretien avec l'apôtre Phila. Pseudo 210 continue. Arrêt-âme de ce matin, nous recevons le grand maître Anaël Moussakanda. Il est le guide spirituel de l'ordre du groupe de veilleurs silencieux. Avec lui, nous allons parler de la vérité. Il dit qu'elle est une et indivisible. Bonjour maître Anaël. Bonjour mon cher ami. Et très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, maître Anaël, à travers ce thème, vous voulez nous faire comprendre que la vérité est universelle, voire éternelle. Y accéder conduira l'humanité à l'unité et à la paix mondiale. Alors, première question, maître Anaël, quels sont les principes de la vérité? Merci beaucoup pour votre très belle question. En réalité, lorsque nous parlons des vérités, il y a une multitude de vérités partielles, en fait. Ces vérités partielles relatives se modifient avec l'époque et les temps. Il n'y a qu'une seule vérité, en fait. La vérité, elle est une et est indivisible. Et cette vérité, une et indivisible, lorsque l'humanité aura accès à la seule et unique vérité, l'humanité entrera dans une ère de paix et d'unité mondiale. Et c'est ce sur quoi les mystiques, depuis l'Antiquité, se sont mis à travailler. Depuis l'origine de l'histoire, depuis l'Antiquité. Voilà pourquoi Akhenaton, qui était le premier grand personnage africain pour avoir lancé ce qu'on appelle le mouvement monothéiste du monde, avait dit « Dieu est un et le soleil est son image ». Nous sommes ici à la 18e dynastie dans la tradition égyptienne. Moïse est apparu vers la 20e dynastie avec Ramsès. Donc vous comprenez que c'est à partir des idées mêmes d'ailleurs de Akhenaton qu'il y a eu le judaïsme, qu'il y a eu le christianisme, qu'il y a eu toutes les autres religions monothéistes du monde. Et donc cette vérité éternelle que Akhenaton avait lancée en disant que Dieu est un et le soleil et son image restera éternel. Qu'on le veuille ou non, nous allons parvenir tous un jour à la compréhension du Dieu unique et à comprendre que le soleil qui est l'image donc, de ce Dieu-là, évidemment, brille pour tout le monde. C'est pourquoi les vérités qu'on parle, lorsque les gens parlent qu'ils ont la vérité, comme dit un grand penseur, que les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se proclament déjà de l'avoir trouvée. Or, nous voyons que certaines religions aujourd'hui se présentent comme étant les détenteurs, les détentrices plutôt de la vérité. Or, en réalité, la vérité, elle est une, elle est indivisible et ses principes sont des principes universels qui reposent en conformité avec les lois de la nature. Lorsqu'une vérité ne peut pas être conforme avec les lois naturelles, elle n'est qu'une fausse vérité. Merci beaucoup, maître Anaël. Alors, nous rappelons au peuple de Studio 210, pour tous ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez arriver à la télévision nationale pour poser des questions en direct avec Monsieur Branham Bonheur, qui fera des révélations aujourd'hui à partir de 9h30. Alors, nous profitons également de l'occasion pour saluer depuis l'Angola, Monsieur Mvula, Sylvain Mvula, qui nous suit.
Bonjour à vous, M. Roula, et bien des choses à vous depuis l'Angola. Alors, deuxième question à M. Anaël Moussa Kanda. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si les écrits sacrés ne détiennent pas la vérité. Je vais citer par exemple la Bible, le Coran, la Torah. Détiennent-ils la vérité? Mais bien entendu, voilà pourquoi ces écrits sacrés, lorsqu'on dit que c'est la parole de Dieu, on dit la Bible c'est la parole de Dieu, le Coran c'est la parole de Dieu, ça fait sourire parfois. Parce que déjà Dieu est esprit et qu'on ne peut pas contenir ses paroles simplement dans un livre. La vraie parole de Dieu, le vrai livre de Dieu, c'est la nature. Dieu n'a que deux livres, la nature et l'homme. Donc le premier livre de Dieu, c'est la nature. Dans la nature, tout est inscrit. Voilà pourquoi les anciens étudiaient les astres, l'astrologie et tout le reste. Parce que dans la nature, vous avez presque toute la signature de Dieu. Le second livre de Dieu, le vrai, c'est l'être humain. Voilà pourquoi les grands maîtres ou nos ancêtres nous disaient que connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras l'univers. Et si tu connais l'univers, tu connaîtras Dieu. Voilà, maintenant, les autres livres, ce sont des écrits, évidemment, écrits par les humains, je vais dire. Les humains à des fins personnelles aussi, parce que quand même on dirait qu'ils ont été inspirés par Dieu, mais aussi il y avait une vraie volonté de manipuler les peuples, de les soumettre, si vous voulez bien, à leur domination, aussi de les faire peur, parce que c'est par la peur qu'on soumet un peuple. Voilà pourquoi la plupart des écrits bibliques, il y a des menaces de mort pour ceux qui ne vont pas se conformer à la parole de Dieu. Et c'est ce qui conduit finalement au fanatisme, parce qu'après, la religion va conduire les gens à quoi? À la division, à la séparativité. Et les plus grandes guerres du monde ont été des guerres religieuses. Et jusqu'aujourd'hui, la religion n'a rien contribué pour l'évolution de l'humanité. Ce n'est qu'abrutir les peuples, les séparer davantage, parce que chaque religion proclame être détentrice d'une certaine vérité et donc ne va plus accepter les autres religions. Donc d'où l'intolérance religieuse. Voyez-vous, lorsqu'il y a l'intolérance, il y a la division, il y a la séparativité, ce n'est plus Dieu, parce que Dieu est un. Là où il y a Dieu, il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a le bonheur, il y a la compréhension mutuelle. Donc la religion, au lieu de pouvoir rapprocher l'homme de Dieu, éloigne les hommes des dieux. Toute religion, je vais dire, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, toutes ces religions ne rapprochent pas les humains vers Dieu. Au contraire, utilisent les humains pour pouvoir les manipuler, les abrutir et les éloigner même de Dieu. Le véritable, lorsque les gens auront accès à la véritable connaissance donc de l'esprit et de l'humain, on va donc comprendre qu'il n'y a qu'une seule âme dans l'univers. Il n'y a pas trois âmes. Cette âme, on appelle l'âme cosmique. Dans la tradition kabbaliste, on appelle ça Adam Akadmon. Dans la tradition de l'Inde, on appelle ça le Paramatman. Et cette âme universelle et cosmique, c'est ce qui constitue chacun de nous, parce que nous sommes tous sortis de cette même âme. Voilà pourquoi chacun de nous porte une âme en lui. L'âme qui est en toi n'est pas différente de l'âme qui est en moi. Ce qui nous diffère, c'est la personnalité. Nous avons chacun de nous sa personnalité, mais notre âme est la même. Et si notre personnalité s'évolue grâce à la compréhension spirituelle, nous allons parvenir à la conscience de l'âme. La conscience de l'âme, c'est ce que nous appelons la conscience cosmique, la conscience christique ou la conscience solaire. Cette conscience solaire que la tradition égyptienne, depuis longtemps, déjà avait marquée par Akhenaton. Et que jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que l'humanité accède à la conscience solaire, qui est la conscience christique et la conscience spirituelle. Or, l'humanité actuelle est encore à l'état d'adolescence. Voilà pourquoi les humains se divisent entre eux. Voilà pourquoi les humains se contredisent entre eux. D'où les guerres que nous voyons à travers le monde. Parce que la personnalité de l'humanité, elle est encore enfantine. Maintenant, il faut aider cette humanité à grandir en lui donnant la possibilité d'accéder à la véritable connaissance qui est donc l'ultime vérité. Voilà pourquoi cette ère dans laquelle nous sommes, rentrés n'est plus l'ère de la foi, ce n'est plus possible. C'est l'ère de la connaissance. Maître Anaël, le problème n'est pas dans l'interprétation des textes. Les textes, dans leur fondement, ne détiennent pas la vérité. Ou c'est l'interprétation des hommes qui en font qu'il y a ce que... Mais bien sûr, l'interprétation, c'est parce que ceux qui ont récupéré ces textes sacrés, un, n'étaient pas des initiés, deux, c'était des imposteurs, trois, ils se sont servis d'une idéologie qui ne leur appartenait pas pour pouvoir assouvir, je l'ai toujours dit, leur volonté politique. Nous savons comment le christianisme est né, pour prendre l'exemple du christianisme. Mais le christianisme, Jésus n'a jamais créé une religion chrétienne, vous le savez. Et on ne peut pas associer Jésus avec le christianisme, ça n'a même pas de rapport. Parce que Christ, le maître Jésus, d'abord, c'est un maître, voilà pourquoi on appelle l'arabe, de la tradition essénienne, et qui avait des ramifications directement avec la tradition égyptienne, parce qu'il a été initié en Égypte. Il a aussi beaucoup voyagé jusqu'en Inde. Bref, je ne vais pas rentrer dans là, parce que je n'aurai pas assez de temps pour donner ces détails-là. Mais ce qui est vrai, c'est que qui a créé le christianisme, par exemple? Mais c'est un roi, c'est Constantin. Et Constantin a créé le christianisme, est-ce que c'est pour amener les gens au ciel? Ou parce qu'il avait des ambitions politiques? Parce qu'il voulait dominer les peuples? Parce qu'il voulait assouvir sa politique d'expansion universelle, de dominer le monde? C'est cette politique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Toutes les grandes nations du monde veulent dominer le monde. Pourquoi l'Afrique a été colonisée? Et est-ce que lorsqu'on nous apportait la Bible en Afrique, c'était pour nous aider? Ou c'était pour pouvoir nous aveugler, nous abrutir, nous rendre encore bêtes et idiots? Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons comment nous avons récupéré un livre que nous ne maîtrisons pas.
parce que nous n'avons pas les clés, évidemment, pour interpréter ce livre. Parce que pour mieux interpréter ça, il faut avoir accès à l'ultime vérité. Quand tu connaîtras la vérité absolue grâce à l'expérience mystique et spirituelle, tu te rendras compte que, finalement, toutes les religions du mal parlent d'une même chose, mais de façon voilée. Maintenant, si on sait comment accéder, comprendre le son, le langage qui est codé, le langage qui est derrière le voile, on comprendra finalement que tous les êtres humains, il n'y a qu'une seule race dans le monde, c'est la race humaine. Il n'y a pas deux, trois races. Il n'y a qu'une seule race, il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion de l'amour vrai. Et cette religion de l'amour vrai, c'est la religion de Melchisédek, qui est la religion de la lumière. Et la religion de Melchisédek, ce n'est pas sur terre. La seule église qui existe, qui est vraie, c'est l'église de Melchisédek. Elle n'est pas sur terre. Il n'y a qu'une seule loge. C'est la loge, évidemment, la grande loge blanche. Elle n'est pas aussi sur terre. Et il y a un niveau de pureté qu'il faut atteindre pour accéder à ce milieu-là. Voilà pourquoi, si on n'a pas la connaissance vraie, on ne pourra pas connaître ces choses-là parce qu'on va se limiter à des vérités relatives et partielles et ces vérités ne nous conduiront jamais à l'ultime vérité et par conséquent, nous allons toujours sombrer vers l'obscurité et les ténèbres. Alors, Maître Naï, dans le cheminement vers la vérité, qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui recherchent la vérité, quel est le chemin à suivre? Quelle attitude adopter? Mais le seul chemin à suivre, c'est simplement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a que deux livres qu'il faut étudier. Il faut étudier le livre de la nature, parce que le livre de la nature enseigne la vérité. Il faut étudier le livre de soi, parce que vous êtes un livre vivant. D'ailleurs, certaines écritures en parlent. Chaque être humain est un livre vivant. Donc, à partir de la connaissance de soi, c'est pourquoi il faut se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Une fois qu'on aura accès à la connaissance de soi, on comprendra quel est le rapport que l'homme a avec l'univers, quel est mon rapport avec l'univers, quel est mon rapport avec les autres, quel est le rapport avec la nature. Parce que nous sommes interdépendants. Aucun humain ne peut vivre seul. Un être humain ne peut pas vivre de lui-même. Voilà pourquoi nous avons lancé la tradition mystique, avec lancé ce qu'on appelle l'idée de la fraternité mondiale. Depuis longtemps, les grandes écoles initiatiques ont œuvré pour la fraternité. Pourquoi la fraternité? C'est parce que les humains sur Terre, nous sommes tous que des frères. Voyez-vous, autrement dit, quand on va accepter à cette vérité éternelle, cette vérité qui est vraie, nous allons nous rendre compte qu'il n'y a ni noir, il n'y a ni blanc, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a pas des Camerounais, il n'y a pas des Américains, il n'y a pas des Français. Il n'y a pas des bébés, il n'y a pas des Larry, il n'y a pas des Moshi, il n'y a pas des Chinois. Nous sommes tous que des êtres humains. Donc chaque être humain, là où il se trouve, il sait que nous sommes conditionnés par des lois cosmiques. Donc nous sommes des êtres humains qui sont promis à la mort. Parce que chaque jour qui passe, qu'on le veut ou non, nous acheminons vers la mort. La mort qui est l'initiation finale, la dernière initiation, c'est la mort. Voilà pourquoi chaque être humain devait apprendre à mourir avant de mourir. C'est ce qu'ont fait les philosophes. Maintenant, est-ce que les gens ont accès, est-ce que les gens apprennent à mourir? Non, ils n'apprennent pas à mourir. Parce qu'à la fin, qu'on le veut ou non, qui qu'on a été, on va traverser l'épreuve finale qui est la mort. Et après la mort, il va se passer quelque chose. Nous passerons dans le tribunal d'Osiris. Et le tribunal d'Osiris jugera si nous allons nous élever vers les auteurs ou nous allons descendre vers les bases astrales. Et ça, c'est une vérité éternelle. Personne ne peut modifier ça parce que c'est indubitable, c'est incontestable. Okay. Alors, nous saluons M. Damafou Tankessé qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, également depuis Pointe-Noire, M. Bonéry. Juste Bumba. Salutations à vous. Merci de nous suivre. Alors, Maître Anaël, le Maître Jésus dit dans la Bible, dans le livre de Jean, je crois, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Il y a un commentaire dessus. Est-ce que ça rejoint votre approche sur la vérité? D'abord, il faut rectifier qu'il ne s'appelait pas aussi Jésus. Là encore, un gros mensonge que l'humanité a récupéré, la religion l'a accepté. Il n'a jamais été appelé Jésus. Il s'appelait Yeshua. Et d'abord, on ne peut pas traduire les noms. Les noms propres, on ne les traduit pas. Moi, je m'appelle Moussa Kana, vous allez traduire ça comment? Prenez quelqu'un qui s'appelle Obami, vous allez traduire ça comment? Quelqu'un qui s'appelle Mukuyu, vous allez le traduire comment? Voilà, dès que vous traduisez, vous faussez tout. Donc Jésus, déjà, c'est déjà un faux nom. C'est la preuve qui montre que la Bible, c'est dès que la fausseté. La fausseté dans ce sens, ceux qui ont traduit les écrits ont fait des fausses traductions. Maintenant, lorsque le maître dit, par exemple, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, mais il a raison. Parce que la seule chose qui peut nous libérer du dogme religieux, c'est la vérité. Et lorsqu'on a accès à la vérité, on saura faire la différence entre la religion, qui n'est que ici-là une organisation des individus mal intentionnés qui cherchent à manipuler les peuples et les affaiblir, et aussi les principes spirituels vrais, parce que nous ne pouvons pas vivre sans la spiritualité. Donc il faut faire la différence entre la spiritualité, qui est une aspiration de notre âme, parce que notre âme a soif de s'élever, et la religion qui évidemment se sert des langages des spirituels pour pouvoir contrôler les gens. Parce qu'il sait qu'il y a un vrai besoin qui est là, qui est le besoin de l'élévation spirituelle. Il sait que les gens ont soif des dieux. Maintenant, je dis que les religions se sont appropriées des noms des dieux. Se sont appropriées de ça sans pourtant avoir la maîtrise de ça. Voyez-vous, grâce,
La seule chose qui peut permettre à l'individu d'avoir accès à la divinité, c'est le mysticisme. Pourquoi ? Parce que par le mysticisme, tu fais l'expérience de Dieu à l'intérieur de toi. Et tu comprends finalement les mondes, les sphères supérieures qui nous dominent et aussi les influences spirituelles qui agissent sur nous parce qu'il y a des êtres invisibles qui agissent avec nous. Et ces êtres-là, nous avons la possibilité de les voir, de communiquer même avec eux, de discuter avec eux parce qu'ils nous parlent. Dieu parle, mais Dieu ne parle pas à travers des livres. Dieu parle puisqu'il est vivant. S'il est vivant, c'est qu'il doit parler. Or, le problème avec les Écritures, c'est que c'est quoi ? Les gens essaient de lire Dieu à travers les expériences des autres. Quand tu lis l'apôtre Paul, tu lis l'Ésaïe, tu lis Jean, ce n'est pas toi. C'est l'expérience de quelqu'un d'autre que tu es en train de lire. Il faut que toi aussi, tu fasses ton expérience en toi. Voilà pourquoi, dans cette ère du verset, nous aurons l'évangile, par exemple, selon Maître Alaël. Il faut qu'il y ait l'évangile selon, je ne sais pas qui, mais l'évangile selon Maître Waka, par exemple. Parce que ce sont ces expériences de ce maître-là qui doit léguer à l'humanité après son départ. Et c'est comme ça que nous devons évoluer. Chaque personne qui vient sur Terre vient avec des expériences. Bouddha est venu sur Terre. Il a fait ses expériences. Il nous a laissé un enseignement basé sur le nirvana. Et le Christ est venu. Il nous a laissé un enseignement basé sur l'amour. Il y a eu bien d'autres maîtres comme le Simon qui manque. Chaque maître arrive. Donc Dieu continue à envoyer des avatars. C'est-à-dire des êtres qui descendent sur Terre pour éclairer les autres. Et eux, quand ils viennent avec des messages qui sont adaptés à l'époque réelle. La Bible, ça fait plus de 2000 ans, les choses ont évolué, les mentalités ont changé. On ne va pas continuer à revenir en arrière. Il faut maintenant qu'on soit adapté par rapport à notre ère. Quel est le message de l'ère actuelle ? Mais le message de l'ère actuelle qui est l'ère du Verseau, c'est le message de l'unité et de la paix dans le monde. Et pour accéder à cette unité dans le monde, il faut élever la compréhension de l'humanité sur la connaissance vraie. Et une fois qu'on aura accès à cette connaissance, nous allons comprendre que tout ce qui se passe actuellement, c'est la loi de la synthèse, de la coopération mondiale. Ceux qui œuvrent dans la séparativité, la division, vont être butés. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vivre seul, sans les autres. Donc c'est la loi du Verseau qui nous impose cette réalité. Qu'on le veut ou non, nous allons être obligés de nous unir. Qu'on le veut ou non, nous allons être obligés d'être un. Parce que c'est la loi du Verseau. Et donc, le principe du Verseau qui nous influence nous amène à avoir accès à la connaissance. Donc, actuellement, ce qui va sauver l'Afrique, ce qui va sauver l'humanité, c'est la connaissance, ce n'est plus la foi. L'ère de la foi est passée. Merci beaucoup, Maître Anaël. Alors, Studio 210 est très, très suivi. Nous profitons de l'occasion pour saluer M. Samuel Bididio, qui nous suit depuis Kampala, en Ouganda. Liesu Limfumu, depuis Pointe-Noire, votre salutation à vous. De Rio Tipson, depuis Ngoyo, à Pointe-Nord également, nos salutations à vous. Alors, Maître Anaël, atteindre l'unité et la paix mondiale, au regard de ce qui se passe maintenant, nous avons le racisme, le terrorisme, les guerres par-ci, les choses par-là, ne serait-ce pas une illusion ? Il arrivera à une ère comme ça, où il y aura l'unité et la paix mondiale ? C'est une aspiration de l'humanité, c'est un idéal, vous voyez que un idéal, on ne l'atteint pas facilement. Chaque fois qu'on approche d'un idéal, ça semble toujours s'éloigner. Et lorsque la Chine aussi rêvait d'être une grande puissance mondiale, les gens croient que c'était de l'illusion. À cette époque, c'était impensable de pouvoir voir la Chine aujourd'hui. Ils ont grand rêvé et Mao Zedong a eu le temps de préparer son peuple à rêver grand une Chine, une grande Chine. Et aujourd'hui, la Chine est en train de prouver qu'elle est presque une puissance mondiale. Donc c'est opportun de dire que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. Les grands hommes, les grandes nations ont rêvé, parce qu'il faut d'abord avoir des grands rêves. Et donc, pour revenir à cette idée de la paix mondiale dans le monde, il faut comprendre que les bases de cette paix mondiale ont déjà été jetées. Et les troubles du monde qui se passent aujourd'hui, ce n'est que normal, parce qu'à chaque changement de cycle, il y a toujours des perturbations. Ça a été connu devant l'histoire. Voilà pourquoi la première et la deuxième guerre mondiale qui a marqué la fin, si vous voyez, de l'ère de Poisson et le début de l'ère du Verseau, il y a eu de l'agitation. Et donc, pour nous les mystiques et les grands spirituels qui connaissent le haut de la nature, on sait que l'obscurité précède toujours avant que la lumière n'arrive. Voyez-vous, là il fait jour, après il va faire nuit, après, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Ce sont des lois naturelles. Voilà pourquoi les mystiques connaissent que derrière chaque épreuve qui arrive, derrière chaque difficulté qui arrive, c'est toujours une graine de bonheur. Et donc, derrière les épreuves que l'humanité est en train de traverser actuellement, les agitations que nous sommes en train de voir à travers le monde, et même la menace de la Troisième Guerre mondiale qui semble se présenter, évidemment c'est pour aider simplement l'humanité à prendre conscience par l'expérience que nous sommes un. Parce qu'à la fin, quand il y aura une guerre, il n'y aura pas de vainqueurs, il n'y aura pas de vaincus. Quand il y a des guerres, il n'y a que des morts. Personne ne gagne en fait. Donc, à la fin, puisque l'humanité, on dit comme on dit, les conséquences qu'on sait mieux que les conseils. Et la nature nous enseigne par les expériences, parce que la Terre, c'est une école d'expérience. Donc, lorsque nous allons pouvoir bien nous entretuer entre nous, nous allons prendre conscience que si nous continuons dans cette allure, ben, l'espèce humaine va disparaître. Et par conséquent, ceux-là auront compris que la seule façon pour nous de pouvoir vivre ensemble, c'est pouvoir garantir la paix et l'unité mondiale.
Merci. Pour les intérêts, pour l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Maître Anaël. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Ben, le dernier mot, c'est qu'il faut dire ce quoi. C'est que faut simplement dire que l'ère de la religion est passée. L'ère de la foi est passée. Nous sommes dans l'ère de la connaissance et nous nous préparons à la seule et grande, s'il faut le dire ainsi, mouvement mondial qui est donc la religion solaire, qui ne sera pas une religion dogmatique, mais une religion basée sur la compréhension mutuelle, une religion basée sur des principes vrais, une religion basée sur l'expérience mystique réelle, où les gens ne vont pas lire Dieu à travers un livre, mais auront la possibilité de communiquer avec Dieu directement avec le plan mystique et invisible, où on aura la possibilité de communiquer avec des êtres de lumière que nous appelons les anges, les maîtres invisibles et les guides individuels. Donc on a la possibilité d'avoir accès à le monde invisible. Nous avons aujourd'hui les clés pour pouvoir donner à toute la personne la possibilité d'accéder au monde spirituel. Donc j'invite tous ceux qui sont en train de me suivre, qui aimeraient bien faire l'expérience du divin à l'intérieur d'eux, de pouvoir rejoindre l'ordre du groupe des Vers Silencieux, qui est notre école de mystère. Cette école est là simplement pour vous outiller et vous permettre de ne plus encore vivre Dieu en théorie, mais vivre Dieu dans la haute pratique, parce que Dieu est vivant, il est réel, il est en chacun de nous. Et nous pouvons tous, évidemment, faire l'expérience de ce divin et comprendre qu'il n'y a qu'une seule race sur la terre, c'est la race humaine. Votre merci. Numéro de téléphone. Mes coordonnées téléphoniques, je reprends au 06 692 28 48. 06 692 28 48, mon numéro MTN. Le 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous continuons dans Art et âme, d'un grand maître à un autre grand maître. Nous allons recevoir le grand maître Waka qui va nous parler de la sorcellerie africaine dans son deuxième numéro. Alors, monsieur Yannick Ifoumou, on ne vous a pas oublié. Studio 210 vous salue, vous qui nous suivez depuis un quartier de Brazzaville. Merci de votre attention. Alors, Théosiam Brangan, elle est stagiaire ici à Studio 210. Joyeux anniversaire à vous, Théosia. L'équipe de Studio 210 est de cœur avec vous. Alors, Maître Waka, grand Maître Waka, j'ose le dire, vient nous parler de la sorcellerie africaine dans son deuxième numéro. Alors, Maître Waka, l'émission précédente, vous disiez que le sorcier, c'est cet initié-là, l'initié africain qui est capable, je dirais, de maîtriser les énergies de la nature ou encore les énergies des plantes pour, premièrement, faire du bien à la société, protéger, guérir, ou encore soulager les maux. Aujourd'hui, deuxième facette, les sorciers sont capables de faire le mal. Ces deux facettes, comment est-ce que vous les présentez, Maître Waka? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et à vous tous qui nous suivez partout, tout le monde. Pour expliquer d'abord les deux facettes de la sorcellerie négative et la sorcellerie positive, je vais d'abord revenir un peu en arrière pour essayer un peu d'expliquer comment est-ce qu'on devient sorcier. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie est une réalité, c'est un fléau, c'est un fait de société. Mais lorsque vous demandez aux gens où se réunissent les sorciers de Brazzaville, dans quel lieu, dans quel endroit, à quelle heure se réunissent-ils, les gens ne parviennent pas réellement à vous expliquer. Mais comment devient-on sorcier? La sorcellerie, c'est une science. C'est une science concrète, c'est une science exacte qui est née de la connaissance des humains. Mais pour devenir sorcier, le tout passe par l'initiation. On ne peut pas devenir sorcier sans être initié. Et dans cette initiation, il y a plusieurs facettes et plusieurs qualités d'initiation. Mais sinon, je peux les résumer en deux. Il y a l'initiation d'avant la connaissance. La connaissance ici, c'est la découverte du sacré. Je vais en des exemples très simples. Il y a des gens qui ont découvert certains temples ou qui ont été dans des écoles, des loges,
du spiritisme négatif et qui ont fini par devenir sorciers. La sorcellerie, c'est un germe qui est accompagné d'un enseignement. Donc, vous devriez d'abord apprendre la première facette, apprendre comment vivent les sorciers, c'est-à-dire être derrière un grand-père, se trouver derrière un ganga, être à côté d'un sachant qui vous apprend le fonctionnement de la nature. Et par la suite, il vous ingurgite cette sémence que l'on appelle le dikundu ou le likundu ou la sorcellerie. C'est une sémence. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance, mais il s'agit de quelque chose que l'on met en vous et cette chose prend vie. Cet élément prend vie, cet organe prend vie en vous et cela vous permettra de sortir. Donc, on commence d'abord par vous apprendre, ensuite on vous ingurgite. Et la deuxième facette, c'est cette facette qui commence ou qui peut être procédée par l'inoculation de la sémence et l'enseignement s'ensuit. Je prends un exemple très simple. Vous pouvez aller dans un milieu, acheter un bout de pain, mais ce pain a été tartiné par la graisse humaine. Vous l'achetez, vous la mangez. La nuit, on vient vous faire sortir et réclamer un retour. Sans votre volonté. Sans votre volonté, sans votre consentement. Dès cet instant, on vous dira, monsieur, ce que vous avez mangé la journée n'est pas du beurre ou de la tartine, mais c'est la graisse humaine, vous devrez en produire. On vous pend, mais moi, je ne connais pas sortir. On vous fait sortir. On vous apprend à ensorceler et l'enseignement théorique s'en suivra après. Bon, maître Waka, excusez-moi de vous interrompre un peu. Quand on vous apprend, quand on vous enseigne à sortir, à ensorceler, ce n'est pas toujours dans le mauvais sens ou Non, mais oui, ça peut être toujours dans le mauvais sens, puisqu'il y a des sorciers qui, comme je le disais la fois passée, qui peuvent, dès que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, le faire sortir, mais pas pour aller envoûter les gens, mais c'est pour lui apprendre les différentes facettes de la vie, lui donner une certaine vision et vue d'ensemble de la nature, le faire grandir de façon initiatique. Et dès lors qu'il sera né, il sera initié. D'autres aussi peuvent faire sortir des enfants ou des adultes, non pas parce qu'ils ont besoin d'aller ensorceler de façon négative, mais de lui apprendre comment gérer une communauté, comment garder l'égrégore d'une famille ou d'un clan, comment est-ce qu'il peut être en contact réel avec les ancêtres et ses aïeux. Alors, de cette initiation s'ensuit les types de sorciers. Nous en avons combien de types? Nous en avons trois types. Il y a les sorciers navigants. Les sorciers navigants sont ceux-là qui sont réellement initiés dans le mysticisme et qui ont la capacité de se rendre au marché, d'acheter des ingrédients eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un recours quelque part. Ils ont la pleine connaissance. Ils peuvent sortir, aller envoûter, jeter un mauvais sort de plein gré à leur gré, quand ils veulent, n'importe quand, n'importe comment. Mais nous avons aussi les sorciers non navigants. Les sorciers non navigants sont ceux-là et qui sont gérés par des maîtres. Je prends un exemple. Vous avez besoin d'être député du Gondwana et vous venez voir un maître, vous dites « Maître, j'ai des neveux, des nièces qui sont là-bas au village ou à Brazzaville, je vais être député de Gondwana, alors je sacrifie un ou deux. » Le maître l'acceptant, il fait la transition, la transaction. Si ses enfants la meurent, si on va consulter, qui sera vu de sorcier? Ce n'est pas le maître, c'est vous. Oui. C'est vous le sorcier. Mais vous ne connaissez même pas le nom d'une plante. Vous n'aviez pas la pleine école. Vous n'aviez même pas assisté là où le maître a travaillé. Donc, mais vous êtes sorcier, vous êtes géré par un maître. Dès cet instant, vous devenez un sorcier non navigant. Non navigant. Donc, les sorciers non navigants, ce sont ceux-là qui vont consulter pour des besoins quelconques. Pour des besoins quelconques, négatifs, parce que dès lors que vous sacrifiez une âme vivante, à ce moment, vous devenez un sorcier négatif. Et dans cette sorcellerie négative, c'est vous qui en paierez le prix. Mais nous avions une troisième qualité ou un troisième type des sorciers. Ce sont
des apprentis sorciers. Les apprentis sorciers également sont ces sorciers-là qui se rendent auprès des maîtres, mais cette fois-ci, pas pour un but, pas dans un but de faire du mal, mais dans un but pécuniaire. Le but pécuniaire ici, je peux prendre par exemple les femmes qui sont dans des restaurants, les gens, des boutiquiers, des commerçants, vous préparez, vous allez chez un ganga négatif qui vous demande peut-être de prendre l'eau d'un cadavre ou bien de prendre la nourriture préparée, vous allez laisser dans votre toilette le nombre de mouches qui vont tomber dessus et seront le nombre de clients. Dès cet instant que vous le faites, votre but ici n'est pas d'empoisonner les gens, bien que vous le faites, mais votre but ici pour un commerçant, c'est d'attirer les gens. C'est l'attirance clientèle, comme on l'appelle vulgairement, peu importe les méthodes, la procédure et les méthodologies qui peuvent s'en suivre. Mais tous ceux qui vont manger cette nourriture seront envoûtés, s'ils ne sont pas protégés. Ah, envoûtés, donc ils vont s'accrocher à votre nourriture, quelle que soit là où ils sont, ils viendront pour venir acheter. Où vont se propager, l'envoûtement se colle à quelqu'un comme la saleté. Donc, on prend des exemples, tu habites Makelekele, tu peux aller jusqu'en Gamakoso parce que tu avais mangé les beignets là-bas. Oui, mais il y a des gens là-bas. Qui quittent ici, qui vont derrière le Dieu, ou bien qui quittent derrière le Dieu, qui vont à 45 km pour manger les étouffés, pour manger des brisés. Et ils ont des lieux spécifiques. Donc, mais tout cela est conditionné par les deux types de sorcellerie dont vous aviez évoqué. Mais plus haut, c'est la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Dans son ensemble, comme on le sait, la sorcellerie négative, c'est l'art de jeter des mauvais sorts aux gens, de faire le mal pour un bénéfice spirituel. Parce que le sorcier négatif aussi n'a pas trop de bénéfices pécuniaires comme l'apprenti sorcier. Bien que plus loin, on verra que chaque fois que vous partez, vous êtes malade. Les gens souvent se demandent, maître, je suis malade, je vais dans une pharmacie, j'achète une ordonnance, l'argent rentre dans la caisse de la pharmacie. Mais à quel moment le sorcier qui m'a jeté un mauvais sort profite? Je vous dis toujours que ce sorcier profite dès l'instant où vous payez une ordonnance. Dans chaque pharmacie, chaque sorcier qui a envoûté quelqu'un, il soutire 10% de l'ordonnance. Et chaque pharmacie, à la fin du mois, à la fin de deux mois, dans leur inventaire, ils ont toujours des pertes parce que les sorciers retirent leurs 10% partout où il y a des pharmacies. Alors, mais de l'autre côté de la sorcellerie positive, c'est un peu là où nous allons beaucoup plus nous appesantir, la sorcellerie, dès ses origines, elle n'avait pas été conçue pour faire le mal. Le mal n'est que le revers de la main d'une situation opposée à la normale. Les gens ont acquis la connaissance pour guérir, pour faire le bien, pour protéger. La sorcellerie est née de la constitution et de la composition des égrégores et qui géraient les traditions, les clans et les sociétés de l'Antique. Chaque société avait un égrégore, un totem, qui avait pour but d'assouplir aux peines, de faire rentrer ou de mettre en communication les humains et les aïeux. Mais le but de cette sorcellerie positive, c'était aussi l'apprentissage. Parce que nous avions des écoles. Et dans nos écoles traditionnelles, nous apprenions l'histoire, nous apprenions la géographie, l'anthropologie, à tous ceux qui étaient tout autour des sages. Et c'est ce que nous appelons l'enseignement traditionnel. Bien qu'il ne soit pas écrit ou qu'il n'était pas écrit, mais cet enseignement se transmettait de bouche à oreille. Et c'est ce qui a constitué la base de la civilisation même de l'homme noir. Alors, dans cette sorcellerie, nous avons plusieurs types de sorciers et plusieurs types d'envoûtement. Tous les sorciers n'envoûtent pas de la même manière. Nous sommes dans la sorcellerie positive, là. Oui. On peut envoûter quelqu'un positivement? Oui, on peut envoûter quelqu'un positivement, les cas de réconciliation. Puisqu'avec vous, souvent, on n'a pas de temps. Donc, c'est très, parfois, difficile de résumer tout ce qu'on a en tête. L'envoûtement positif aussi consiste à faire le bien. Je prends l'exemple de la protection d'une famille. Je prends l'exemple de la protection, de la réconciliation. Lorsque votre épouse vous surprend avec une autre femme
Et elle plie bagage, elle s'en va dès lors que vous avez encore besoin d'elle. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir voir Maître Waka. Mais Maître Waka va procéder à la réconciliation. Mais la réconciliation, c'est quoi? C'est un envoûtement. C'est un envoûtement du genre positif. Je dois envoûter votre épouse. Je dois la faire oublier. N'est-ce pas l'amour forcé dans ce cas? Non, il n'y a pas d'amour forcé dans ce sens, mais il faut atténuer. C'est comme un avocat, je deviens votre avocat. L'avocat n'a peut-être pas pour but d'effacer la peine ou la sentence, mais c'est de réduire au moins la peine et de créer l'intelligence. Vous voyez, donc, moi, ce que je ferai, mais puisque tout a été créé par la nature, la vraie Bible, comme l'a dit Maître Anaël ici, c'est la nature. C'est la nature. Et nous, qui pratiquant avec les éléments de la nature, nous sommes au plus près de Dieu que vous qui pratiquez les soi-disant paroles qui ne sont même pas de Dieu. Vous voyez? Donc l'envoûtement positif a plusieurs facettes également. Nonobstant, lorsqu'on vous vole, quelqu'un s'introduit dans votre maison, mais vous viendrez toujours voir Maître Waka pour le chicoter, parce que je suis spécialiste des chicotes contre les voleurs. Ça, vraiment, demander à ceux qui m'ont visité. Oui. Vous voyez, chaque jour, je les chicote. Et voilà pourquoi ceux qui ne remettent pas aussi les objets, ils finissent parfois par mourir. Ça, c'est rendre justice, par exemple. Non, bon. Ça, c'est une justice naturelle. Et à l'âme qui pêche, elle en subira les conséquences. Bon. Donc, si on vous vole, vous venez me voir, mais je fais quoi? Mais c'est un envoûtement, une justice, c'est un envoûtement. Quand je lui jette un mauvais sort, mais je l'envoûte pour qu'il vienne remettre. Ou je l'envoûte, je lui donne une maladie, mais il doit souffrir pour venir accepter que c'est moi qui ai soustrait votre ou qui ai cassé votre maison. Bon, Maître Waka, les époques changent, les connaissances évoluent. Est-ce que la sorcellerie aussi connaît une certaine évolution? Oui, la sorcellerie a connu l'évolution parce qu'aujourd'hui, même pour des cas de réconciliation, parfois c'est une copine qui arrive, qui n'a même pas la photo de son ami, de son amant, qui n'a rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu as son numéro, oui. Mais aujourd'hui, avec le numéro de téléphone, je m'introduis, je suis un maître. Je fais un voyage astral, je m'introduis dans le logiciel d'MTN et je vois votre identification. J'aurai tout de vous. Mais mon père, qui est mort en 98, qui n'a pas connu le téléphone, ne pouvait pas envoûter quelqu'un à base du téléphone. Aujourd'hui, on peut vous jeter un mauvais sort. À partir du téléphone, je reçois des gens, des familles épleurées qui viennent consulter des cas de décès chez moi. Mais pourquoi il y a eu décès? Parce que le type avait décroché un appel donné. Et partant de cet appel, il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est mort. Vous voyez? Maître Waka, une dernière question. Où se réunissent les sorciers de Brazzaville? Nous sommes dans la soif, là. Vous l'avez dit d'entrée du jeu. Voilà. D'abord, il faut savoir si vous connaissez déjà même un sorcier. Si vous aviez déjà vu un sorcier, je suis sur un livre que je vais aussi publier d'ici peu de temps, 2024, sur la qualification de la sorcellerie en droit congolais. Hein, parce que les juges congolais, les juristes ont du mal à qualifier l'infraction de la sorcellerie, quand bien même qu'il y ait des aveux. Aujourd'hui, quelqu'un peut avouer, et nous le voyons, quelqu'un avoue que c'est moi qui ai envoûté ma nièce parce que son mari ne l'a pas épousée, j'ai bouffé, j'ai ensorcelé ou j'ai tué ou j'ai bouffé, comme on le dit en français facile, mon neveu. Il avoue, mais quand bien même qu'il y ait des aveux en droit, voilà l'évolution du droit, il y a beaucoup de problèmes qui se passent en droit. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. Les sorciers se réunissent où? Ils se réunissent dans le monde astral. Ils se réunissent dans des dimensions. Et si je vous prenais un exemple des Andimba, c'est aussi un genre des sorciers, parce que tous les sorciers n'envoûtent pas toujours de la même manière, je reviens sur ça. Les Andimba, c'est une loge des sorciers, parce que les sorciers aussi sont constitués en loge ou par loge. La loge des Andimba, ce sont ceux-là, par exemple, qui peuvent vous faire noyer, et de ce noyade, de cette mort par noyade, on vous soutire de l'eau, et ma foi, on vous amène dans un lieu très secret. Pendant qu'on pensera que vous êtes sous l'eau, mais vous êtes attaché quelque part. Déjà quelque et part. Et cette transaction qui se passe de l'eau à une prison, mais c'est ça le mystère. C'est là où se passe la,
la grande forme mystérieuse de l'envoûtement. Merci beaucoup, Maître Waka. Nous allons laisser nos téléspectateurs sur cette soif-là parce que nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Maître Waka va dire son dernier mot et donner son numéro. Si vous voulez poursuivre cet entretien, il va donner son numéro et puis vous allez continuer avec Maître Waka. Merci beaucoup. Pour vous soustraire des envoûtements, il faut vous protéger. Alors, c'est un sujet qui n'est pas encore fini. Nous verrons les différents types d'envoûtements. Pour un sorcier, pour envoûter, est-ce qu'il a besoin des cheveux, des photos? Tout ça, on va en parler la prochaine fois. Et on verra également à la mort d'un sorcier, comment est-ce qu'on le reçoit? Et je verrai comment est-ce qu'on va trouver un jour spécialisé pour faire à la fin, à la conclusion de ce chapitre, pour essayer un peu de faire en sorte... Votre numéro de téléphone, Maître Waka. ...réponse avec les auditeurs. Bon, je reprends au 05-533-0915, au 05-533-0915. Et le dimanche prochain, le dimanche en 8, nous verrons peut-être... On parlera peut-être des maladies mystiques. Parce que le sorcier, la finalité, c'est envoûter. L'envoûtement, c'est une maladie mystique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Waka. Merci à vous qui nous avez suivis. Studio 210 continue, cette fois avec le prophète Malonga Mambala. Lui, il nous avait reçu chez lui. Donc, interview à domicile. Le prophète Malonga Mambala va parler des oracles de la religion Ngunza. C'est le prophète Malonga Mambala, donc le leader de la religion Ngunza Message. Et nous sommes là pour prôner la tradition, parce que nous sommes les garants de la tradition africaine. Les oracles, c'est d'abord le mystère du créateur que nous appelons Pungtulendo à travers sa voix. Parce que dans la vocation, il y a plusieurs sortes de mystères. Mais là, on va parler le mystère de lui-même, le créateur Pungtulendo, par sa voix, de ce qu'il avait fait et de ce qu'il veut de nous. Et tant que les spiritualités, c'est-à-dire que des hommes spirituels, donc dans la spiritualité africaine. Celui qui est censé vivre les oracles, c'est celui qui écoute la voix de Mpungutulendo. Parce qu'en écoutant la voix de Mpungutulendo, c'est que vous êtes dans la croyance normale qui va vous donner l'opportunité de vivre le mystère. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaint, malgré son dans la religion Ngunza, mais il ne voit pas le mystère. Mais or que le secret, c'est d'abord savoir la voix de Mpungutulendo, savoir écouter et méditer par ses ordonnances données aux anciens prophètes. Parce que quand vous prenez par exemple Mama Kimpavita, Mama Kimpavita, elle avait vécu le mystère des oracles de Mpungutulendo au moment que Mpungutulendo l'avait parlé dans sa langue maternelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de tromper les gens pour dire que non, le don de parler en langue. Mais quand ils parlent en langue, c'est ils disent, oh non, mais quoi, bon, je ne sais pas ça, c'est quel genre de langue. Parce que ce n'est pas l'homme qui va parler en langue spirituelle, mais c'est ce Dieu-là, le Créateur-là, qui vous a créé à son image, qui va parler dans votre langue maternelle. C'est ça qu'on appelle parler en langue. J'ai écouté la voix de l'Éternel, la voix de Mpungutulendo dans ma langue maternelle. Donc, tel que je horte chez eux, ils disent que non, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il t'a parlé seulement en français, tandis que toi tu es Mboshi, tandis que toi tu es Teke. Non. Voilà pourquoi que pour vivre les oracles de Mpungutulendo, il faudrait que écouter et entendre la voix de Mpungutulendo à ce moment-là que Mpungutulendo va te donner les opportunités de bien vivre les mystères par rapport à ce que tu crois. Parce que le mystère vient à travers l'enseignement. Or, être Ngunza, c'est être en contact avec l'esprit divin et être en contact avec les esprits de nos aïeux. À ce moment-là que vous allez suivre l'enseignement et vous devenez fort. Parce que si les colons ont réussi à coloniser nos grands-parents,
Parce que nos grands-parents, ils étaient seulement dans le miracle. Ils n'avaient pas l'enseignement. Donc c'est l'enseignement qui manquait. La première des choses que les Blancs ont fait, ils avaient fait quoi? Ils avaient implanté les écoles. C'est pour coloniser et donner les enseignements aux plus jeunes. À ce moment que les plus jeunes, lorsqu'ils auront les enseignements, ils vont combattre leurs parents. Or, nous aussi, étant que Ngunza, c'est une religion. Or, la religion doit marcher dans les dogmes de l'enseignement laissé par vos ancêtres, dans vos anciens prophètes. Voilà pourquoi que nous sommes venus avec le message, qui est l'enseignement, qui va donner le coup de pouce à tout Ngunza qui veut le développement. Aujourd'hui, ce que vous appelez les Ngunza, moi je ne les appelle pas les Ngunza. Pourquoi je le dis? Parce que la croyance d'une personne vient à travers l'enseignement de sa religion. Mpongu Tulendo, qui est le créateur suprême absolu, ne pourra jamais parler à un Chinois, ne pourra jamais parler à un Arabe, ne pourra jamais parler à un Européen. Parce que aujourd'hui, que la culture d'un peuple, c'est l'héritage de la spiritualité de leurs ancêtres. Prenons le cas par exemple des Ngunza. Vous voyez par exemple celui qui se dit que je suis Ngunza, un leader Ngunza, mais à la fin il lit la Bible. Bon, je ne sais pas le Dieu de la Bible qu'il est en train de lire, de prêcher dans son église, mais au moment qu'il va traiter les gens, il va invoquer les ancêtres, les Mfumatua, les Mfumukimbangu. Je ne sais pas c'est quel genre de Dieu, c'est quelle puissance qui est intervenue pour venir guérir les malades. Donc pour moi c'est une confusion. Voilà pourquoi entre eux-mêmes les Ngunza, ils se trahissent. S'il y a la trahison dans la religion Ngunza, parce qu'il manque de la confiance, de l'enseignement et de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, qui est dans le vrai de tous les Ngunza? Moi, je dirais que le vrai, c'est celui qui a le message. Et celui qui a le message, c'est le Ngwa Tulendo Malongambala qui vous parle. Mfumukusu dit celui le Longi? Non. Mais Mfumukusu sort de BDK. S'il sort de BDK, donc son père est encore vivant, il ne peut pas réclamer le titre. C'est le père qui va parler de ça. D'accord. Donc on peut considérer que le père est déjà là. Donc, Malongambala est un imposteur, puisque moi, l'ancien est déjà là. Non. Moi je ne sors pas dans BDK. Moi, je sors par la révélation de l'esprit Ngwa Tulendo. Et ça, vous voyez, or que lui, il était dans BDK, il a pris dans BDK, et il va créer son mouvement quelque part. Ça, c'est son problème à lui. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces divisions-là, avec toutes ces contradictions, l'Afrique peut évoluer? Est-ce que les gens vont repartir? La renaissance africaine peut être possible? Voilà pourquoi je suis là, pour donner le message. À toute fois que je donne le message, même ceux qui ne sont pas Ngunza sont déjà convertis dans la religion traditionnelle, à travers ce que je prêche, je donne comme message. Or, c'est nos frères Ngunza là qui n'a pas encore compris le message de Ngwa Tulendo. Comment ça fait-il qu'un Ngunza, qui est le guide, qui est le dirigeant de la religion Ngunza, vient d'une église Ngunza, quelque part, mais il a le baptême des chrétiens? Ça signifie quoi? Il était d'abord baptisé dans catholique, dans l'église protestante, et à la fin, il a abandonné là-bas, il a intégré la religion Ngunza. Au moment qu'il a intégré la religion Ngunza, automatiquement, on l'a consacré soit pasteur, soit un tout moi, mais sans pourtant être converti dans la nouvelle alliance de la religion de nos ancêtres. Donc, c'est le même baptême des chrétiens qui les suit jusqu'à ce qu'il est en train de diriger le temple Ngunza. À ce moment que l'église Ngunza va devenir comment? Je pense que c'est la pagaille. Donc, c'est eux qui font la pagaille parce qu'ils n'ont pas encore compris la réalité d'une religion et la valeur de la spiritualité africaine. Donc, ils ne peuvent pas vivre les oracles de Mpungu Tulendo au moment qu'il n'a pas encore entendu la voix, il n'a pas encore fait la repentance correctement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas quitter l'église Ngunza pour aller intégrer les catholiques et devenir prêtre aussitôt, directement, sans passer par le baptême. Ça ne se fait jamais. Or, chez les Ngunza, ça se fait. Voilà pourquoi, moi, je condamne tous ces genres de pratiques. Or, la repentance doit d'abord prendre le cœur de quelqu'un et l'amener à la conversion. Et à ce moment que tu reçois le baptême, et tu deviens Ngunza. Et quand tu deviens Ngunza, tu es maintenant en contact avec l'Esprit suprême. Ce qui avait dirigé le Mfumatua. Voilà pourquoi on parle des oracles. Il n'y a pas de miracle dans les Ngunza. Ils prennent seulement le fétichisme. Quelqu'un qui s'en fout quelque part, il a son numéro, il vient tromper les gens au nom des Ngunza. Or, que la religion Ngunza, ça dit que ça,
Hein? Ils ont des catégories qui vont donner l'accès à quelqu'un de devenir, par exemple, dirigeant ou bien toadiste, et ainsi de suite. Dans la ville, il n'y a pas d'autres Ngouza qui ont le message. Donc, tous les Ngouza doivent revenir vers vous. Mais parce que c'est la prophétie de Mfumo Kimbangu. C'est la prophétie de Mfumo Matiwa. Quand il dit que non, il y aura un temps, il y aura le Nkwa Tulendo, le roi divin. À ce moment-là, maintenant, le peuple va faire quoi? C'est qui le roi divin? Le roi divin, c'est moi qui vous parle. C'est qui le Nkwa Tulendo? Le Nkwa Tulendo, c'est l'esprit suprême qui m'est incarné. Donc c'est tout, ils doivent comprendre ça. Donc c'est vous qui avez c'est vous qui avez le pouvoir politique, le pouvoir, la science, c'est, voilà. Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi je pose la question. Moi, c'est vous qui le dites. Parce que j'étais candidat. Vous avez échoué. Mais être échoué ne veut pas. Attends d'abord, être échoué ne veut pas dire que non, vous avez perdu la guerre. La bataille continue. On doit forcer. Pourquoi? Vos fidèles, vos disciples, ils n'ont pas voté pour vous, ils ont voté pour les autres. Non. L'histoire des votes, là, faut pas même évoquer ça parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu même des promesses que j'attends, donc je ne peux pas tout dévoiler. Donc dévoilez-nous ça. Non, ça c'est média, on ne peut pas dévoiler tout. Donc nous, on attend seulement notre promesse. Ceux qui nous ont promis, eux-mêmes, ils savent. On vous a promis un ministère. Je ne sais pas. Nous sommes là pour lutter seulement, pour valoriser la religion Ngunza. Car en fait, notre problème, c'est ça. Quand il y a l'école Matiwa, quand vous voyez l'école Matiwa, mais même le directeur de cette école ne connaît pas l'histoire de Matiwa. Mais, pour valoriser la culture, en fait. Voilà, c'est la culture, car en fait. Vous voyez, l'école Kimpavita, il y en a. Mais les élèves qui fréquentent là-bas ne connaissent pas l'histoire de Kimpavita. Il y a des gens qui sont dans leur maison, ils veulent intégrer, ça veut dire qu'ils aiment la tradition. Mais ils n'ont pas le courage d'intégrer la religion Ngunza parce qu'ils se disent que non, et vraiment il y a toute une confusion. Dans le territoire congolais, nous avons 36 temples. Donc ce n'est pas de l'aventure, mais c'est une réalité vraie. Nous avons aussi des temples ici à Brazzaville, nous avons 4, en Philo 5 rue Thomas Sankara. En Kombo, nous avons 25 rue Arc-en-Ciel. Là-bas, à Kombé, nous avons aussi un temple là-bas. Et à Mayanga. À Mayanga, vers Boatouatamoussoso, là-bas. Et même à Pointe-Noire. Bon. Là, je suis à Brazzaville. Et notre thématique, c'est quoi? C'est d'implanter un siège. Cela veut dire qu'une direction, siège général de la religion Ngunza, comme on avait fait à Pointe-Noire, que ce soit maintenant implanté ici à Brazzaville, pour qu'au moins le message puisse prôner jusqu'à l'extérieur du pays. Donc, ceux qui veulent nous voir ou bien nous contacter, nous sommes au 06 674 13 20 et au 05 023 10 80. 05 023 10 80. Voilà, nous y sommes, studio 210, dernier virage, avec celui qu'on appelle, non, le frère Branham, mais... Monsieur Branham, bonheur, monsieur Bonheur Branham. Nous sommes le 22 octobre 2023. Demain, 23 octobre 2023, ça fera certainement le 560e, etc., anniversaire. C'est la date de la commémoration, de la création de l'Amérique. Pas des États-Unis d'Amérique, mais de l'Amérique. L'Amérique a été découverte, selon l'histoire, par Christophe Colomb en 1492, si je ne me trompe pas. Et le frère, non, monsieur Bonheur Branham, lui, vient nous dire, oui, Christophe Colomb a découvert. Mais celui qui a créé l'Amérique, on l'appelle William Marion Branham, que certains appellent prophète, mais lui dit, il n'est pas prophète, il est le créateur de l'univers. Mais qui est Branham Bonheur? Branham Bonheur, c'est une personne qui a décidé de suivre à la lettre ce que son modèle, William Marion Branham, a dit. Il n'est pas croyant du message du temps de la fin, mais il est croyant de William Marion Branham. L'homme est allé très loin. Il est allé jusqu'à faire ce qu'on peut appeler aujourd'hui, est-ce que le mot existe, une
de circoncision. C'est-à-dire qu'ils pensent que lorsque vous pratiquez la circoncision, vous êtes dans une aberration, dans une abomination. Parce que son prophète lui a révélé que ceux qui sont circoncis, c'est une fausse alliance. Il est donc allé à l'hôpital général de Djiri, derrière nous ici, à la maison de la télévision nationale, pour faire une opération de restauration de son appareil génital. Si c'est dans des milieux branamiques ou branamistes, quelqu'un dirait amen. Mais il n'y a personne amen. Pour dire amen pour le moment. Bonjour, monsieur Branham Bonheur. Bonjour. Comment monsieur, vous allez? Très bien, je vais bien, merci. Nous vous donnons quelques minutes pour nous expliquer un peu cette théorie de la création de l'Amérique par William Aaron Branham, que nous connaissons comme prophète, comme un humain, comme nous tous, mais vous l'appelez créateur. Très bien. Merci, M. Diaz. Content de vous entendre avec votre exposé. Je suis tellement ému que vous avez compris ma pensée. William Mario Branham, je veux rectifier votre vocabulaire. Okay. Il n'est pas prophète, non, pas du tout. Il n'est pas prophète, nous allons le démontrer. Et les gens pensaient qu'il était prophète, mais William Moore Branham, nous allons démontrer qui est William Moore Branham. Merci, je vous ai écouté, vous étiez en train de parler de cette histoire, de l'Amérique. Plusieurs scientifiques, les historiens, les géographes, les archéologues, tous les chercheurs ont semblé déconstruire cette histoire. Ils ont falsifié cette histoire de l'Amérique, mais c'est méchant. Tout le monde est conscient que l'Amérique a été créée, mais c'est les gens de mauvaise foi, des religieux, ont étouffé cette histoire rationnelle. Ce n'est pas une théorie, mais je dirais que c'est une pensée rationnelle qui est tangible, qui existe. Moi, je ne suis pas un analyste. Moi, je ne suis pas un analyste qui passe dans les télés, dans les plateaux télévisés pour émettre leurs avis. Pas du tout. Pas du tout. Je suis un homme qui dit des choses faites, des choses tangibles, probants, qui existent. Donc, je vous disais, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. C'était écrit dans l'histoire le 12 octobre 1492. Moi, je dirais même, ils se sont trompés. C'était peut-être le 23 octobre. Mais ils ont dit le 12 octobre. Vous voyez un peu ce parallèle. 492. Mais on parle d'une découverte. C'est vrai. On nous dit, les Anglais, les Américains, toute l'Europe, j'allais dire, ils sont venus trouver les Indiens d'Amérique. Mais qui a créé cette vaste étendue de terre que je vais démontrer tout à l'heure? Je ne sais pas si vous me permettez. Si, pendant que vous parlez, le tableau... D'accord. Vous allez remarquer sur la carte géographique du monde. Vous allez voir, il y avait l'ancien monde. Il y avait l'ancien monde qui existait, qui avait trois continents, qui avait l'Afrique, qui avait l'Europe et qui avait l'Asie. L'ancien monde existait avec trois continents. Le quatrième continent n'existait pas. Et vous allez remarquer que le quatrième continent, cette partie du globe terrestre, d'accord. Donc vous allez remarquer, cette partie du globe terrestre a été agencée avec le reste du monde. Vous allez voir ce continent-là, qu'on appelle l'Amérique, a été agencée avec l'ancien monde, qui existait avec l'Afrique, qui est là. Vous allez voir avec l'Asie, qui est là. Tout ça, c'est l'Asie, et ça, c'est l'Europe. Donc, quand le monde a été créé, allez-y. Quand le monde a été créé,
il n'y avait que cette partie du monde qui existait, qu'on appelait l'ancien monde. Il n'y avait que cette partie du monde, entourée de l'eau, des océans, des mers. Mais cette partie du globe terrestre, cette petite partie du globe terrestre, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui a fait cette découverte? Donc, quand les Européens voulaient partir en Asie, envoyés par une reine Elisabeth, en Espagne, ils partaient pour aller chercher de l'or. Mais étant donné pour aller quitter l'Europe pour aller en Asie, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait contourner. Ils ont pris quoi? Ils ont emprunté quoi? Des voiles. Des voiliers. Oui. Donc, des anciens bateaux à l'époque pour contourner afin de venir en Asie. Mais c'est quand ils étaient en train d'aller sur cette navigation au niveau de l'eau, de la mer, et c'est là où ils constatent, en train de percevoir de loin, une vaste étendue d'eau. Mais dit, mais ça c'est quoi? Lui dans sa tête, il pensait même que c'était peut-être de l'Asie. C'était une terre d'Asie. Accompagné de son collègue Vespucci Amerigo, mais quand ils arrivent sur place, Amerigo lui dit à Christophe Colomb, apparemment, je me rends compte, mais ce n'est pas une terre d'Asie, mais apparemment, mais ça doit être un nouveau monde. Voilà l'expression que Christophe Colomb utilise. Il dit, ça doit être un nouveau monde. Que certains prophètes de l'époque, ils appelaient une terre promise. Et c'est là où Branham dit. Ça, c'est le 12 octobre 1492 que Branham dit, je ne laisserai pas le diable emporter. Je ne laisserai pas mes 32 ans de ministère être dans les mains du diable. Ça veut dire quoi? Quand tu prends 1492 moins 32 ans, tu t'arrives en 1460. Et c'est là où, quand ça a été découvert, le 12 octobre 1492, ça a été créé en 1460. Comment Branham crée ça? C'est quand Branham quitte l'éternité, il vient sur la terre. Pas comme les gens disent qu'il était né, il n'est pas né, mais il est venu sur terre. Il est venu où? En Afrique. Quand il avait créé l'ancien monde. Quand l'ancien monde a été créé, lui, il avait prouvé cela par une marque, une position de référence, avec un ouvrage donné. Qu'est-ce qu'un ouvrage? C'est une œuvre accomplie. Vous allez remarquer, c'est ici, en Afrique, où se trouve cette montagne dont Jésus avait parlé. Jésus avait parlé que dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, je vais le croire. Quand Jésus avait remarqué avec d'autres prophètes qu'il y avait une montagne, qu'il y avait une montagne, qu'il y avait une montagne qui se trouvait en Afrique, cette montagne comporte le visage de William Marion Branham. Ça se trouve où? Précisément en Afrique du Sud. Ça se trouve où? Précisément en Afrique du Sud. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous descendez à Johannesburg. À 2500 km de Johannesburg, vous allez voir cette montagne. Quand vous allez arriver à Durban, devant Durban, à 450 km, vous allez voir cette montagne où il y a le visage et le nom de William Marion Branham gravé sur une montagne. Merci. C'est cette montagne qui se trouve en Afrique, cette même montagne se trouve en Amérique. Quand il a créé l'Amérique pour prouver à l'humanité que c'est moi qui suis
le créateur de ce continent, cette même montagne, il a créé ça à Kentucky. Quand tu arrives dans une ville appelée Jeffersonville, à 160 km au nord de Jeffersonville, vous allez voir le visage de William Branham. À 5 km près de la ville News Albany, vous allez voir le nom gravé de William Branham. D'accord. Merci beaucoup pour ce bel exposé, cette belle illustration. On ne sait pas si c'est la vérité, parce que nous ne sommes pas là pour juger. On montre simplement les faits au peuple et au peuple d'en juger. Alors, il y a des gens qui poseront des questions. Ils sont dans la salle. Il y a le maître Waka, il y a d'éminents visages du peuple du studio 210. Mais avant qu'il ne me remplace ici pour poser des questions à M. Bonheur Branham, tout en soulignant aussi que un des fils de Branham est mort. Je pense que c'est le premier. Et Branham, dans ses prophéties, avait dit que tant que Los Angeles ne sera pas englouti, son fils-là ne mourra pas. Ben, en fait, le fils est mort, Los Angeles n'a pas été englouti. Voilà, ça c'est notre parenthèse. Anissé Tomba, Mondésir Ikando, Théocien Bourangon, l'homme est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Diaz. Bonjour, Monsieur Branham Bonheur. Bonjour, Monsieur Anissé. Alors, moi, ma question, c'est sur la date de la création de l'Amérique. Vous dites que c'est en octobre 1460. Le 23 octobre 1460. Exact. Vous utilisez là le calendrier grégorien, n'est-ce pas? Allez-y. Pour dater cette création. Mais l'histoire nous apprend que les civilisations Inca, Maya et Aztèque vivaient déjà dans ce continent-là 300 ans avant Jésus-Christ. Et vous vous donnez la date de 1460, à peine. Et tous ces travaux-là, des archéologues, des anthropologues, des sociologues, qui ont daté ces civilisations, qu'est-ce que vous en faites? C'est ce que, avant de vous répondre, tout à l'heure, M. Diaz a dit, Billy Paul est mort, ça a été dit par William Monroe Branham, qui ne va pas mourir sans voir leur songe s'engloutir. Il y a une confusion, ce n'est pas Billy Paul. C'était Joseph Branham. La promesse est faite sur Joseph Branham. C'était justement pour amener dans notre débat un peu cette ambiguïté. Le peuple appréciera. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, non, je vous ai dit tout à l'heure, M. Anissé, les gens ont falsifié l'histoire. Les gens ont déconstruit l'histoire. Ce n'est pas la vérité. Mais ce n'est pas prouvé. Mais ça doit être. Voilà, j'aime la science. Parce que la science est une étude prouvée et universelle. Où tout le monde croit. Mais ce n'est pas moi qui ai dit que l'Amérique a été découverte à peine en 1492. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont les explorateurs, ces mêmes chercheurs scientifiques qui ont exploré les trois continents qui existaient. Et étant sur les navigations, à partir des bateaux, ils se sont rendus compte qu'il y a une vaste tendue de terre. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, mais bien entendu. Mais quand on nous dit que Christophe Colomb découvre l'Amérique le 12 octobre 1492, c'est pas, ça émane pas de moi. Ça, c'est la découverte, c'est pas la création. Mais j'en viens. Mais bien entendu. Oui. Mais voilà pourquoi je suis en train de vous dire. Si ça a été découvert, remarquez, je vous ai démontré sur la carte géographique du monde. Il y a eu des échanges, plusieurs fois au niveau économique, commercial, où les Asiatiques partaient en Afrique, les Européens partaient en Asie, en Afrique. Mais c'est pendant des années, ils n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais vu cela. Mais c'est à peine qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu une vaste étendue de terre qui vient d'apparaître. Bonjour, on ne peut se permettre de mentir ainsi sur un média télévisé. Le témoignage, c'est Billy Paul qui l'a fait. Là, c'est un télévisateur qui le dit. Bonjour, Branham n'est pas né. Vraiment, c'est quoi ça encore? Voilà, c'est des messages anonymes. Pendant ce temps, le frère Hippolyte Capi a une question à poser. Bonjour, mon cher frère. Bonjour, mon cher frère. Ok, je me demande si vous êtes chrétien. Mais si vous êtes chrétien, je vais vous dire
qu'il y a un mystère dans le cadre de la création. Dieu a créé le monde. Et Dieu, en créant le monde, il s'est caché de la face des hommes. Il y a une raison en cela. Mais vous, comment est-ce que pourriez-vous vouloir matérialiser Dieu? Ne pensez-vous pas que là, vous êtes en train de tomber dans le coup de l'idolâtrie, un élément dont l'Éternel a bien voulu éviter au monde par rapport au premier commandement de Exode 20, pour éviter que nous tombions dans l'idolâtrie d'un individu, d'une image ou d'un nom? Ne pensez-vous pas que Dieu lui-même a toujours caché son identité et son image en révélant cela seulement à l'esprit des chrétiens, dans le domaine spirituel, bien sûr? Ne pensez-vous pas que là, vous êtes dans une œuvre charnelle? Monsieur Branham va vous répondre. D'accord, je vous réponds. D'ailleurs, celui qui a créé l'univers, ce n'est pas Dieu. Rectifiez votre vocabulaire. Celui qui a créé l'univers, c'est le Créateur. Il est Dieu parce qu'il a créé une œuvre. On n'adore pas Dieu parce qu'il est Dieu. On adore Dieu parce qu'il est Créateur. Votre conception, avec votre vocabulaire, que Dieu qui a créé le monde, c'est une fausse conception. Ça, c'est un. Deux, je ramène, vous dites, vous ne ramenez pas Dieu. Mais Dieu, mais c'est une pensée. C'est une pensée rationnelle qui vise le réel dans son intégrité. Il est Dieu parce qu'il a fait une œuvre. Voilà pourquoi nous l'adorons. Le mot Dieu, étymologiquement, vient de grec en hébreu. Veut dire l'objet d'adoration, le sujet d'adoration. Pourquoi moi, j'adore le Créateur? Pourquoi j'adore Dieu? Parce qu'il a créé une œuvre. Est-ce que tu peux me prouver? Tous les humains ont posé cette question. Nous voyons les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les collines, les savanes. Qui a créé cela? Mais le Créateur doit prouver cela. Il a prouvé cela avec une montagne gravée avec son visage et son nom sur une montagne. Ça se trouve en Afrique du Sud, ça se trouve à Kentucky. Est-ce qu'il y a des témoignages qui certifient que William Branham a bel et bien laissé son visage gravé? Mais il y a des témoignages, il y a des photos. Je vous montre la photo, monsieur Diaz. Oui, la photo, asseyez-vous, la photo sera, on va montrer la photo là, à l'écran. Mais la photo est là, le visage de William Branham. J'ai même donné les adresses. Peut-être qu'elle pense que c'est sur Photoshop. Hein? Ah, peut-être. Peut-être que vous pensez sur Photoshop. Oui. C'est une chose probante, tangible. La photo est là. Vous partez, monsieur, en Amérique. Vous descendez aux États-Unis. Vous allez à l'état qu'on appelle Kentucky. Vous arrivez à Jeffersonville, à 160 km au nord de Jeffersonville. Vous allez voir le visage de Branham. Mais j'ai comme l'impression que c'est une image caricaturée. Non, non, pas du tout. Mais ça existe. Je ne suis pas un analyste. Je suis en train de vous dire des choses tangibles, probantes, qui existent là. Allez-y aux États-Unis, oui. Vous allez voir. Excusez-moi, je vais vous poser une dernière question, puis je vais partir. Je vous en prie. Excusez-moi, je me retiens de vous juger. Mais je trouve que lorsque vous parlez de Dieu et de Créateur, c'est comme si vous êtes un peu dans l'embrouillement. Pourquoi? Parce que Dieu est Créateur. C'est la même chose. Regardez, je veux vous aider en vous disant... Je veux vous aider. Oui. Dieu n'est pas créateur, c'est le créateur qui est Dieu. C'est pas grave. Vous faites le c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Dieu, il ne s'agit pas du tout d'un être autant que tel, mais d'un élément qui nous renvoie à l'esprit de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, c'est tout simplement une symbolique. C'est comme un doigt qui nous indexe vers le créateur. Donc, autant que tel, lorsqu'on parle de Dieu, ce n'est qu'une attribut, une manifestation d'une face de Dieu qui nous renvoie à la plénitude de Dieu. Donc cet élément-là est tout simplement un élément réduit dans le temporel, mais qui nous renvoie à l'éternité. Donc si vous voulez bien, Dieu est comme une fenêtre qui nous renvoie à l'éternité. Justement, lorsque vous dites, celui qui est manifesté, Dieu, n'est pas Dieu, mais le Dieu nous renvoie à son grand esprit. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, continuez vos recherches et entrez réellement dans la sainte vérité de l'Éternel. Il n'est pas encore dans la vérité. Ben, et sur je ce, pense qu'il est encore dans la confusion. Et sur ce, j'ajouterai une question, peut-être une dernière pour répondre, moi. Je vais d'abord répondre. Okay. Mais ça sont les idées reçues. Il vit que des idées reçues. Voilà, c'est de la religion. On lui a enseigné certaines idéologies et voilà. Mais moi, je crois qu'on doit être rationnel, comme je suis en train de dire. Il parle d'un Dieu qui est esprit. Mais on nous a appris
que celui qui a créé l'univers, que je suis en train de vous réitérer en vous disant, la lune, le soleil, les montagnes, les collines, les savanes, on nous apprend que c'est Dieu. Prouve-moi ce Dieu-là. Donc à ce moment-là, vous rejoignez les philosophes qui pensent que c'est l'homme qui fait Dieu. C'est l'homme qui fait Dieu. Non, c'est pas l'homme qui fait Dieu. William O. Branham, pour prouver à l'humanité que c'est lui qui a créé l'univers, il a déposé une marque qu'on appelle une position de référence avec un ouvrage qui existe sur la terre, en Amérique et en Afrique. Mais aujourd'hui, la croix de Jésus aussi est une référence. Je vous en prie, on en parlera. Vous allez m'inviter, je vais vous démontrer qui est Jésus-Christ. Exactement. Monsieur Branham, l'image que nous voyons, c'est une montagne, c'est vrai. Oui. Mais nous avons une montagne ici chez nous qu'on appelle Ekotia Monseigneur. D'accord. Vous pensez que c'est un Monseigneur qui... Ben, quelqu'un peut dire que non, c'est la tête d'un Monseigneur. Non, non, mais c'est seulement, ça c'est juste un slogan. C'est juste une ressemblance, monsieur. Non, non, ça c'est pas une ressemblance, c'est, je suis en train de vous dire, monsieur Andissé, c'est un fait. Allez-y aux États-Unis. Je vous répète encore. Moi, je ne suis pas un analyste qui passe sur les plateaux télévisés pour vous raconter leur point de vue. Il y a le président du fan club Studio 210, Osgalen Oyono, il est à Pointe-Noire. Il y a aussi Thomas Sampo qui nous suit depuis la RDC. Alors, Osgalen, le président du fan club Studio 210 à Pointe-Noire, dit ceci. Branham est né en 1906. Comment il peut être créateur de l'Amérique en 1460? Merci, une belle question. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, c'est une confusion. Je suis en train de vous dire une confusion. Branham n'est pas né en 1906. Branham parle que je suis né le 6 avril 1909. Branham dit, je suis né le 6 avril 1909. Ah, il est quand même né? Non, mais écoutez-moi, mais j'en viens. Ok, d'accord. Je répète, le Branham, c'est pour que les gens comprennent. Quand Branham disait que je suis né le 6 avril 1909, c'est la date à laquelle des êtres humains qu'il appelait maman, papa, qu'on appelle Charles et Ella, ont découvert la montagne de William O. Branham. Donc quand le monsieur dit que Branham est né, c'est pas le 6, Branham parle du 9, c'était la date auquel William Branham était découvert sur la montagne. A dit que William Branham était il n'est pas né, il a été découvert sur une montagne. Sur une montagne. Donc voilà pourquoi Branham. Même Jésus-Christ est né. Même Jésus-Christ est né, mais Branham n'est pas né. Bien sûr, Jésus-Christ, sa maman a eu une grossesse. Ça, on en parlera. Vous allez m'inviter sur la question de Jésus. Avec ce gros mensonge, nous allons arriver. Nous parlons de William Branham. Je ne veux pas qu'il y ait cette confusion. William Branham, Jésus. On en parlera de Jésus. On va connaître si Jésus était vrai né. Alors, monsieur Bonheur, hormis cette montagne qui porte le nom et le visage de Marion Branham. Très bien. Sur la base de quels autres critères vous vous appuyez pour dire que William Branham est le créateur de l'univers? Mais je suis en train de vous dire, tout à l'heure, moi j'étais en train de regarder, il y a un tableau là en bas. Moi, pour prouver à un enfant, ou bien moi-même, que l'édifice là, qui a construit ça, c'est Sassou. Mais vous allez remarquer, il y a une pierre qu'on avait posée, il y a l'inauguration, bien identifiée avec la date. Donc William O. Branham, pour prouver à l'humanité que c'est moi qui ai créé le continent américain, il y a son visage et son nom et la date auquel l'Amérique a été créée. Le 23 octobre 1460. Ça existe sous la montagne. Sur cette montagne, vous allez aux États-Unis, vous allez voir sur cette montagne, en bas de la montagne, où c'est bien signé le 23 octobre 1460. Voilà ce qui prouve. Voilà une preuve tangible. Branham, vous parlez de la montagne où est gravé le visage et le nom de William Branham. Très bien. Avez-vous déjà fait un tour où il y a cette soi-disant montagne ou c'est une histoire à dormir debout? Merci beaucoup. Vous voyez mon âge, si je ne me trompe pas. Je suis né en 77. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis pied au stade de Massamadiba. Il y a d'autres qui sont ainsi, n'ont jamais mis pied à la Tounamima. Tounamima a été construit par le président Denis Sassou Nguesso. Le stade a été construit par, le stade de Massamba Déba. Donc, moi, si j'ai eu cette lumière que le monde a déconstruit, a falsifié cette histoire, je partage cette vérité. Vous et moi, un jour, on va aller. Alors, quelqu'un me dit ici, voilà comment je lis les messages comme ils sont. Voilà comment le diable s'organise afin que vous blasphémez le nom de Dieu. L'image de cette montagne, montre-nous la montagne, peut faire allusion aussi à Bob Marley. C'est ce qu'il nous dit.
Ben, mais voilà, mais je réponds à ce monsieur. Ici, on ne fait pas de la comédie. Voilà, je regrette. Je regrette. Il parle du diable, il ne connaît même pas le diable. Vous allez m'inviter, monsieur Diaz, on parlera qui est le diable, d'accord, qui a été descendu sur terre, qui a fait des grands miracles et des prodiges pendant 3 heures et demie, dit dans la Bible. Il ne connaît même pas le diable. Il y a quelqu'un qui nous parle de la franc-maçonnerie ici. Il nous dit que Branham, William Maman Branham, est un franc-maçon. Il dit, moi-même, je suis franc-maçon et je le confirme. Bon, mais c'est juste ses pensées qui viennent me prouver, comme moi, je suis en train de prouver que je ne suis pas un analyste, je suis en train de vous prouver des choses qui sont tangibles sur la montagne, en Amérique et en Afrique. Précisément, devant Durban, vous allez voir cette montagne. Quand vous arrivez au nord de Jeffersonville, à 160 km, vous allez voir cette montagne. Je suis en train de vous parler des choses probantes, tangibles, vraies. Voilà, je ne raconte pas ce que les messieurs racontent. Je suis en train de vous dire des faits. Moi, je ne dis pas des opinions, ni des analyses, des conceptions des gens, ni des idées reçues. Petite question, allez-y. Un peu bête quand même. Dieu est-il visible ou invisible? Il est visible, il est invisible. Pourquoi il est invisible? Mais parce qu'il se trouve en éternité auquel tes yeux n'arrivent pas à le percevoir. Il est visible, mais il a quitté l'éternité, il est venu sur terre parce que les humains pleuraient. Tout humain, les physiciens, les géographes, comme j'ai dit, tous scientifiques se demandaient qui a créé l'univers. Il fallait prouver à l'humanité qui est le détenteur de cet univers. Branham a prouvé cela avec sa montagne en Afrique du Sud, avec sa montagne à Kentucky. C'est une preuve probante. Monsieur, excusez-moi, pardon. Quelqu'un demande dans le groupe Studio 210, je connais la réponse, si vous vous appelez exactement Branham. Mais bien sûr, je peux monter mon passeport, je suis là dans mon sac. On m'appelle Bonheur Branham. Je porte son nom. Vous avez changé d'identité. Mais bien entendu. Merci. Mais bien entendu. Il a la réponse. Mais moi, je crois qu'on pose une vraie question. Moi, j'ai besoin des scientifiques. Hein. J'ai besoin de moi des scientifiques. Effectivement, monsieur Branham, ça m'étonne beaucoup parce que vous n'y avez pas encore été. Là où se trouve cette montagne, vous vous contentez de ces images-là qui peuvent subir des modifications que l'on connaît. Et vous êtes mordicus là-dessus pour dire que c'est vrai alors que vous n'avez pas vu de vos yeux. Vous qui cherchez les preuves probantes par vous-même, vous n'avez pas vu. Mais moi, je crois que moi, pour me rendre là-bas, j'ai d'abord été révélé. Je vous en prie, Branham nous a laissé les livres. Il dit, méditez-les. Mais je viens de méditer. Je viens de découvrir, mais je partage cette histoire parce que Branham a parlé l'histoire de ma vie qui a été falsifiée par des humains. Mais j'en ai eu cette révélation. J'ai dit, je partage avec M. Anissé que s'il pense aller découvrir ça, mais allons-y. Mais M. Branham, qu'est-ce que vous reprochez aux chrétiens qu'ils ont lu la Bible, ils croient en Jésus-Christ, vous avez lu les écrits de Branham, vous dites que c'est vrai et ce que les chrétiens font, c'est du faux. Mais les chrétiens ont quelle preuve tangible? La Bible. Mais la Bible, mais c'était, mais je suis en train de vous dire, c'était un ouvrage écrit par les messieurs. Mais quand je te parle de Branham, c'est un fait. Les faits sont là. En Afrique du Sud, avec l'Ancien Monde, comment on appelle ça? En Amérique, avec le Nouveau Monde. Question d'un téléspectateur. Si Branham, toujours message anonyme, si Branham était créateur, il devait avoir un corps incorruptible. Jésus a fait 3 jours, mais il n'a pas pourri, ce qui n'est pas le cas de Branham. Bon, d'accord. Monsieur Diaz, moi, je vous ai toujours dit, Branham, je vais vous citer une citation de Branham. D'accord. Avant d'en parler. Branham dit, une seule de mes prédications dépasse toute la vie de Jésus-Christ. Je vais vous faire lire ça. On vous raconte les histoires sur la vie de Jésus. Les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Jésus avait défié à l'humanité. Moi, voilà pourquoi moi je souhaiterais, M. Diaz, que vous m'invitez sur la question d'accord. De Jésus. D'accord, Jésus, on en parlera, restons sur Branham. Voilà, je veux venir, invitez-moi, je veux venir. On reviendra sur la question sur de Jésus-Christ. Sur beaucoup de choses d'ailleurs, on reviendra. On reviendra sur Jésus-Christ. Mais parlons de William Branham, que le 23 octobre, mais c'est la commémoration, c'est la célébration d'anniversaire d'un événement particulier. Il y a eu un événement particulier qui a marqué l'humanité. Que certains chercheurs de mauvaise foi, mal intentionnés, ont caché cela, ont déconçu cela. Ils ont peut-être caché cela parce que, comme nous le dit ici Ardel Tsimba Kyrios, il dit, ce prophète, question à ce prophète, est-ce que Dieu a besoin de créer une montagne et graver son nom sur cette montagne pour prouver sa puissance? Mais bien entendu! Mais qu'est-ce qu'il prouve quand moi j'ai une voiture? Vous avez une voiture Toyota. Mais Toyota, la personne Toyota, pour prouver aux usagers
que c'est moi qui suis le fabricant de cette machine à 4 roues. Toyota fait quoi? Devant la voiture, il a mis une marque. Et derrière la voiture, il a mis son nom Toyota. C'est pour pouvoir usager que cette machine qui roule à 4 coups, c'est moi qui suis le fabricant. Comment on peut nous faire croire que c'est le créateur Dieu qui a créé l'univers avec ses montagnes, ses collines de savane, qu'on ne dit pas? Mais où est la preuve? Où est la preuve que la montagne, ou bien j'allais dire, les montagnes des collines de savane avec leurs forêts, toutes les galaxies, que c'est Dieu qui a créé? Prouve-le. Branham a prouvé. Merci, Monsieur Bonheur. Je reviens toujours sur la création de l'univers. Si l'Amérique est l'œuvre de création de William Branham, qu'en est-il des autres continents? Je ne vous ai pas compris. Si l'Amérique est l'œuvre de création de William Branham, si l'Amérique a été créée par William Branham, qu'en est-il des autres continents? Ah, très bien. Une belle question. Pertinente. Mais on appelle ça la conformité. Il a juste prouvé que l'ancien monde qui existait avec 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, pour prouver cela, quand ça a été créé, il n'y avait pas encore des humains. Quand les humains naissaient, tout le monde avait ce désir, en se demandant plutôt qui a créé l'univers. Mais il est venu vous satisfaire, répondre à vos aspirations, à vos attentes, pour vous dire, l'ancien monde qui existe, c'est moi qui l'ai créé. Avec une montagne que vous avez ignorée, j'ai créé le nouveau monde. Pour vous prouver, c'est moi qui suis l'auteur de l'univers. Mais Monsieur Branham, vous ne parlez pas de l'Océanie, là, il y a un 5e continent. Non, c'est une sous-région de continent. C'est pas un continent, je suis désolé. Donc, il n'y a pas... Il n'y a que 4 continents, il n'y a que 4 races. L'Afrique, c'est le continent noir, que personne ne vous trompe. On va développer cela. Quand vous trouvez certains blancs en Afrique, non, ce sont des immigrants qui sont venus. Pas du tout. L'Europe, c'est le continent des blancs, la peau blanche. L'Asie, c'est le continent des jaunes. Il n'y avait que 3 races. Et le nouveau continent de l'Amérique, c'est la peau rouge avec les Indiens. Mais quand vous allez me demander tout le reste des Brésiliens, de toutes ces races-là, c'est parce qu'il y a eu l'exploration des Africains, des Européens, des Asiatiques qui sont allés s'embrasser là-bas, se croiser pour faire les enfants. Ça, on en parlera. Donc, il n'y a que 4 continents. Il n'y a que 4 races. La race noire, blanche, jaune et rouge. Que personne ne vous trompe. Écoutez, certains scientifiques me font rire. Oh non, mais non, c'est le soleil qui a fait qu'il y ait un changement sur le corps. Mais vous, monsieur Agassé, allez-y en Asie. Restons en Chine avec ta femme, mettez les enfants, aucun enfant ne sera asiatique. Jamais. Monsieur Branham, les humains ont falsifié l'histoire. Maintenant, est-ce que William Branham n'a pas falsifié l'histoire? William Branham n'a pas falsifié l'histoire. Il n'a pas falsifié l'histoire. Mais prouvez-le-moi. Mais vous pouvez nous prouver aussi qu'il n'a pas falsifié l'histoire. Mais très bien entendu. Parce que William Branham, je suis en train de vous dire, nous parlons des choses tangibles. Nous parlons des faits. On ne parle pas des opinions ici. On ne parle pas des idéologies. Nous parlons des choses rationnelles. Et voilà la philosophie. Une pensée rationnelle qui vise le réel dans son entièreté. Branham a prouvé aux gens que c'est moi qui suis l'auteur de l'ancien monde avec sa montagne auquel il y a le visage et son nom. Il a prouvé cela en Amérique avec son visage et son nom sur une montagne. Voilà l'histoire. Elle là, ma sœur, allons-y aux États-Unis, vous allez voir cela. Le nom en bas de la montagne, en forme de pyramide. William Marion Branham, en forme de pyramide. Signé, gravé là, avec son visage. Voilà des faits. Bon, un scientifique ici, mais c'est l'Afrique. Mais bien entendu. Il va vous poser une question. Maître Futur, ça a quelques mots. Je vous en prie. Bonjour, mon frère. En vous entendant parler, vous nous apprenez que c'est votre prophète ou Dieu qui a créé l'Amérique, alors que l'Amérique, lorsqu'elle fut découverte, il y avait des Amérindiens. Et c'est pour autant dire que c'est Branham qui a créé les Amérindiens, ou sinon les Indiens qui habitaient ce continent, puisqu'il y avait les gens. Première question. Je réponds déjà à la première. Voilà, on va aller. Merci beaucoup, très belle question, bien entendu. Mais parce que quand il avait créé l'ancien monde, quand, c'est pas ce que la Bible nous raconte, que Dieu créa l'homme le premier jour. Mais quand il y a déjà le jour, mais c'est le temps et l'espace, le Créateur n'a pas créé le premier jour, le deuxième jour.
Ça, c'est une fausse conception. En créant les Amérindiens, donc Branham a également créé toutes les races qui sont sur la Terre. Exactement. Quand il a créé l'Amérique, il a créé les forêts, les savannes, les collines et les humains, les Amérindiens dont tu parles. Deuxième question pour Vitalé. Branham lui-même croyait en la Bible, puisque toutes ses prédications sont axées sur la Bible. Très bien. Et il disait que celui qui sort de la Bible n'est pas de lui. Mm-hmm. Bon, aujourd'hui, croyez-vous d'abord en votre Bible, en ce livre-là que vous appelez la Bible, ou vous croyez plus... Moi, ma Bible, c'est William Aro Branham. Voilà la Bible là. La Bible, par définition, c'est un ouvrage. C'est un ouvrage de référence. La Bible, par définition, c'est un ouvrage de référence. Voici l'ouvrage. Qu'est-ce qu'un ouvrage? C'est une œuvre accomplie. Voici l'œuvre accomplie. Bible, c'est William Aro Branham. Mais je crois que ce n'est pas n'importe quel ouvrage, c'est un ouvrage sacré. Merci beaucoup, c'est bien même dit, un ouvrage sacré. Permettez. Que pour y aller là-bas, vous ne devez plus se suer avec votre femme à la maison, ne devez plus être circoncis, et vous ne devez plus avoir des maladies. Je finis avec la troisième question. Je vous en prie. Nous sommes à la fin aussi. Branham croyait en ce Dieu d'Israël. Lui, il priait. Il n'a jamais prié au nom ni de son père, ni en son propre nom. Mais il priait un Dieu, ce Dieu que vous appelez le Dieu d'Israël. Très bien. Alors, aujourd'hui, Israël, même pour se protéger, a besoin d'une armée forte et des bombes très fortes. Mais vous qui croyez ou qui priez au nom du Dieu d'Israël, penseriez-vous que ce Dieu-là vous écoute? Merci beaucoup. Mais vous avez une confusion dans votre esprit. Moi, je ne suis pas religieux. Je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni juif. Je ne suis pas religieux, je suis Branham. Moi, je ne prie pas le Dieu d'Israël. Vous me parlez d'Israël. Honte à vous, monsieur le scientifique. Honte à vous, le seul peuple au monde qui est devenu une nation, qui n'est pas dans sa patrie, c'est l'Israël. Mais là où se trouve l'Israël, il n'est pas dans sa patrie. Dernière question. C'est la terre de la Palestine. Je suis désolé, monsieur le scientifique. Excusez-moi, dernière question. Ça n'appartient pas à Israël. Saviez-vous que non, il existe ce qu'on appelle par les illusions optiques, tout comme aussi il y a les illusions de l'esprit. Ne pensez-vous pas que non, c'est votre esprit qui est en train de vous jouer de tour en pensant que cette montagne-là ressemble à l'image de Branham? Et encore, vous obstinez à parler de l'ancien monde, du nouveau monde. L'Amérique n'est pas un nouveau monde. Lorsque vous voyez la structure de l'Amérique, c'est une portion de terre qui s'est détachée de l'Afrique. Et même avec les structures géologiques, géographiques, on retrouve les similitudes des plantes, des animaux et ainsi même des oiseaux de part et d'autre. Pourquoi parlez-vous du nouveau monde? Très bien. Avant de répondre à la question, parce que ça sera la dernière question, c'est la dernière question, c'est la dernière réponse. Les gens qui peut-être aimeront discuter avec vous, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. C'est possible? Non, je vous réponds. D'accord, vous pouvez répondre. Okay. Je vous réponds. Moi, je répète encore, monsieur Diaz, que moi, j'ai été flatté de votre émission. Moi, je ne suis pas religieux. Moi, je ne viens pas ici pour faire les débats stériles avec les religieux. Vous voulez débattre avec moi? Apprenez-vous à ne plus se suyer avec votre femme. Car Adam n'était pas tombé avec la femme de quelqu'un, avec sa propre femme. D'accord. Donc si tu vis dans la souillure avec ta femme dans la maison, tu ne peux pas discuter avec moi. Deux, tu ne dois pas être circoncis. Car celui qui est venu tromper Abraham en lui disant « Je vais faire une alliance avec toi », tu dois être circoncis, c'est une fausse conception. J'en viens. Donc, moi je croyais que quand il a dit à Abraham, désormais, tout être qui naîtra dans votre tribu, dans votre lignée, ne devait être circoncis dans le ventre. Malheureusement, jusqu'à l'heure que je te parle, tous les enfants qui naissent, ils sont toujours incirconcis. Et troisième, vous ne devez plus prendre les médicaments. Vous devez vivre par la foi. Si tu es, fais un débat avec moi. Si ton corps est rempli de médicaments, tu peux pas faire un débat avec moi. Je réponds maintenant à sa question. Je sais pas. Il reste quelques secondes, rapidement. Quelques secondes. Mais je suis désolé. Je vous ai dit, on a falsifié l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est dit-on séparé là? C'est un mensonge. Vous voyez cette séparation qui existe? Quoi? Ici, il n'y a pas des océans? Ici, il n'y a pas de mer? C'est un mensonge. Ça n'existait pas. Cette partie du globe terrestre, ça n'existait pas. C'est un gros mensonge.
Merci beaucoup. On applaudit Monsieur Branham Bonheur. C'est la fin du studio 210. On applaudit pour toute l'équipe technique. On applaudit pour Maître Waka, Monsieur Hippolyte Sony Kapi, à tous ceux qui ont posé les questions. Merci à Van Photo, Osé Mvembe. Merci, c'était studio 210. Merci. Mais on...